Eh bien, bonsoir à tous les barons, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous ce soir pour un nouveau rendez-vous des barons qui est un petit peu différent de d'habitude puisque c'est la première fois que l'on reçoit un homme d'église, un homme de foi. C'est ce soir l'abbé Mathieu Raffray. Je suis très heureux de l'inviter pour cette édition du rendez-vous des barons. Mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais poser un premier avertissement. La dernière fois, pour Rendez-vous des barons avec Alexis Poulain, il y a eu une minorité de commentaires qui me reprochaient le fait d'avoir trop parlé, soi-disant, d'avoir fait des introductions très longues, de monopoliser la parole. Alors, il faut comprendre que déjà, le Rendez-vous des barons est une émission qui a pour but, initialement, d'être une discussion. C'est une discussion avec l'invité. Ce n'est pas une interview pure et simple. Si vous voulez des interviews pures et simples, il faut acheter Télérama. Mais là, pour le rendez-vous des barons, le but, c'est d'avoir un dialogue avec l'invité, même si, bien entendu, la parole reste avant tout à l'invité. Et c'est ça depuis le début du rendez-vous des barons. Je tiens également à signaler que dans le cadre du rendez-vous des barons, il y a toujours l'accent qui est mis sur le fait que l'invité peut parler pendant 10, 15, 20, 30 minutes, il ne sera jamais coupé. Ça, c'est la règle d'or du rendez-vous des barons. On ne coupe jamais l'invité. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure en quelque sorte, même si ça concerne une minorité de commentaires. Ce soir, je remercie les modérateurs qui sont présents. Le chat va être un peu plus surveillé que d'habitude, car là aussi, ça a été une demande de la plupart d'entre vous qui souhaitent que le chat soit un endroit beaucoup plus agréable. Les modérateurs sont là. On ne va pas plus tergiverser par rapport à ces polémiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir très chaleureusement l'abbé Mathieu Raffray. Bonsoir, monsieur l'abbé, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Oui, je vous entends bien et je vais bien aussi. Écoutez, c'est parfait. C'est la première fois qu'on vous reçoit, monsieur l'abbé. C'est votre première fois aussi sur Livre Noir. Par conséquent, je vais vous demander, et c'est de toute façon le cas pour tous les invités, de prendre le temps de vous présenter à la communauté de Livre Noir qui peut-être ne vous connaît pas encore. Je vous laisse le temps de vous présenter. Alors bonsoir à tous, bonsoir le doc Baron. Donc je suis l'abbé Mathieu Raffray, je suis prêtre catholique évidemment. Je suis prêtre depuis 13 ans maintenant, et puis disons que ma mission comme prêtre est une mission d'enseignement, puisque je ne suis pas dans une paroisse comme la plupart des prêtres, mais je suis chargé de la formation des futurs prêtres. Dans plusieurs universités, et en particulier à Rome, dans une université qui s'appelle l'université Saint Thomas d'Aquin, donc l'Angelicum, qui est une université très prestigieuse, au moins dans l'Église. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis breton, des Côtes d'Armor, c'est très important. Et voilà, j'essaye. Aussi bien dans mon enseignement que depuis un peu plus d'un an maintenant sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, de prêcher la bonne parole et de défendre une vision assumée du catholicisme, parce que je pense que les jeunes, surtout aujourd'hui, ont besoin de repères et sont en recherche d'un retour à notre identité chrétienne, à nos valeurs chrétiennes, à ce qui a fait toute l'histoire de France et toute la fierté de notre pays. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que votre particularité, vous êtes plutôt un ovni dans le milieu en quelque sorte, puisque d'une part, vous avez un côté beaucoup plus traditionnel par rapport à d'autres prêtres, et en même temps, vous utilisez les réseaux sociaux avec brio, puisque vous êtes assez actif sur Instagram, et c'est l'un de vos outils de prédilection, il me semble. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte un peu malgré moi que, il y avait une véritable soif de la part de beaucoup de jeunes de savoir ce qu'était la foi catholique et d'une vision, disons, virile, en tout cas assumée et fière et heureuse de notre foi catholique. Et donc, c'est vrai que tous les prêtres ne sont pas, chaque prêtre a son
à son ministère, à sa façon. Et puis, évidemment, il y a des personnalités différentes, mais je pense que l'Église doit reprendre reconquérir le terrain, non seulement des campagnes et des classes populaires, et que cela passe en particulier par les endroits où on rencontre la jeunesse, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que vous avez eu l'intelligence d'utiliser un outil qui de base n'est pas lié au monde catholique et surtout au monde catholique traditionnel pour vous l'approprier et diffuser le dogme d'une manière plutôt efficace. Mais on aura le temps d'en parler, bien sûr, toute la soirée. Alors, monsieur l'abbé, on a ce soir un programme assez chargé. Il y a beaucoup de sujets d'actualité que je voulais traiter avec vous. Et on va commencer de suite avec la question de l'euthanasie. Je vais vous citer une phrase qui a été prononcée par notre président Emmanuel Macron lors d'un entretien sur la chaîne C8 en mars 2017. Je le cite, Moi, je souhaite choisir ma fin de vie. Moi, je souhaite choisir ma fin de vie. C'est la phrase qu'il a prononcée. Et à ce moment-là, il ne voulait pas, puisqu'il était au cours de son premier mandat, ouvrir cette boîte de Pandore qui était la question de l'euthanasie, en quelque sorte. Donc là, maintenant, on a vu que depuis qu'il a été réélu, il a voulu se réapproprier cette question. Je mets une image de notre cher président à l'écran. Et depuis quelques semaines, il a relancé le débat. Alors, il faut rappeler plusieurs choses par rapport à l'euthanasie, et puis après, bien entendu, je vous laisserai la parole et je vous poserai les questions, monsieur l'abbé. Donc, voici un célèbre tableau qui est le suicide de Socrate. Alors, il faut faire attention car il y a l'euthanasie d'un côté et ce qu'on appelle le suicide assisté de l'autre. Ce sont deux choses différentes. Il y a parfois des gens qui confondent les deux concepts. L'euthanasie, donc, ça vient du terme e, qui est bon. Et de Thanatos, qui signifie la mort. C'est en quelque sorte la bonne mort, la mort douce, en fait. Donc, l'euthanasie, c'est le fait qu'un tiers va décider de vous ôter la vie parce que vous êtes dans une situation qui fait que votre existence est devenue insupportable par le biais d'une maladie trop longue ou ce genre de choses. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, le suicide assisté comme l'euthanasie sont interdits. Donc, quelle est la différence entre les deux? C'est le fait que le suicide assisté, c'est directement vous-même qui, à l'aide d'un bouton, vous donnez la mort. Alors que l'euthanasie, c'est une tierce personne, un médecin, un praticien. Donc les deux sont interdits en France et il y a une sorte de loi qui régit tout ça, c'est la loi Leonetti, qui, dans ce cas de figure-là, va plonger le patient dans une sédation profonde et continue. C'est-à-dire que on va, en somme, continuer les soins, mais on va placer l'individu dans une sédation profonde jusqu'à que mort s'ensuive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte directement. Il y a donc des débats qui se sont lancés autour de cette question, et Michel Houellebecq, l'an dernier, a dit dans une interview accordée au Figaro, dans un papier qu'il a écrit, que pour lui, une civilisation qui avait recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, perdait à ses yeux tout droit au respect. La question que je voulais vous poser, monsieur l'abbé, elle est très simple. Vous, en tant qu'homme de foi, quel est votre avis sur cette question de l'euthanasie qui commence à prendre forme dans la société française et qui risque, malheureusement, de mon point de vue, d'aboutir dans les prochains mois? Bien, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut faire une distinction essentielle entre le fait de la mort naturelle et le fait de donner la mort de façon artificielle. Et c'est là où la morale chrétienne est très précise, c'est-à-dire que le fait de laisser mourir quelqu'un parce que la nature veut que ce soit la fin de sa vie n'est pas du tout quelque chose d'opposé à la morale. Ce serait même quelque chose de grave et d'immoral de vouloir maintenir en vie à tout prix, par des machines, par des techniques, par des médicaments, que sais-je, quelqu'un qui que la nature, dans la nature, se ferait le fait de mourir rapidement. Par contre, ce qui est absolument inhumain, c'est le fait de donner volontairement la mort à quelqu'un. Donc on pourrait faire une distinction entre euthanasie passive, c'est-à-dire laisser mourir quelqu'un qui doit mourir, et puis euthanasie active, c'est-à-dire causer la mort de quelqu'un en
lui injectant un produit en choisissant en tout cas de le tuer. Et c'est là où le discours, je pense, est faussé dans les médias et dans les paroles des politiques, puisque cette distinction n'est pas faite, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment claire. Je pense qu'un chrétien, et même n'importe quel homme attaché à la vie dans sa conception naturelle, doit à la fois respecter le moment de la mort, mais en même temps refuser et s'opposer à ceux qui veulent tuer positivement par un geste, par un acte, celui qui, parce qu'il souffre ou parce qu'il est dans un état de souffrance, que ce soit physique ou psychologique, demanderait de mourir. Si vous voyez quelqu'un qui est au bord d'un pont et qui est en train qui dit qu'il va sauter par-dessus la rambarde pour se tuer, eh bien, je pense que le réflexe, le bon sens et l'humanité la plus basique veut qu'on fasse le nécessaire pour l'empêcher de se donner la mort. Et donc, vous avez cité Houellebecq, et je pense que c'est très juste ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'une civilisation, une société dans laquelle on essaye de légiférer, en plus c'est dramatique, mais essaye de légiférer pour pouvoir causer la mort des autres et causer sa propre mort, eh bien c'est une société qui, au lieu d'aller vers la vie, elle va vers la mort. Donc je pense que ça pose des questions éthiques fondamentales, et ne serait-ce que pour les médecins, puisque le but du médecin, normalement, d'essayer de sauver ceux qui souffrent, d'empêcher les souffrances ou les maladies, et en tout cas, le médecin qui voudrait, au nom d'une pseudo-liberté, donner la mort positivement, eh bien, irait complètement contre le fameux serment d'Hippocrate. Et c'est tout à fait caractéristique de notre société, où on essaye de cacher la mort, alors que pourtant c'est la chose la plus commune. D'ailleurs, la seule chose commune à tous les êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blonds ou bruns, etc., eh bien, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous allons mourir. Et donc, il faudrait plutôt réfléchir sur le sens de notre vie qui doit s'achever par la mort, plutôt que de vouloir être maître aussi bien de la vie que de la mort, et arriver à des choses assez finalement barbares, puisque sous prétexte de maîtriser la nature, eh bien, on la détruit et on la méprise. Oui, et puis pour ce qui est de la question purement religieuse, dans les 10 commandements, il me semble que c'est le 5e, il est dit « tu ne tueras point ». Donc en soi, l'euthanasie reste quand même le fait d'ôter la vie, même si c'est pour des raisons qui peuvent être justifiées. Après, les débats sont ouverts, bien entendu, mais ça reste quand même le fait de tuer. La question que je voulais vous poser, monsieur l'abbé, c'est que répondez-vous à l'argument qui revient le plus souvent en faveur de l'euthanasie, qui est le suivant. Imaginez un membre de sa famille qui souffre qui souffre terriblement de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui sont dans une souffrance physique insupportable et pour qui l'euthanasie peut représenter une forme de libération? Eh bien, dans un premier temps, je pense que l'intelligence humaine, la grandeur humaine doit nous amener à chercher des solutions à cette souffrance et pour apaiser cette souffrance, pour la faire disparaître. Et aujourd'hui, il existe dans l'immense majorité des cas des solutions, soit médicales, soit psychologiques, pour diminuer la souffrance et puis pour permettre à quelqu'un d'arriver à l'heure de sa mort sans souffrir de façon insupportable. Donc, je pense que c'est plutôt cet aspect-là qu'il faudrait développer, en particulier ce qu'on appelle, par exemple, les soins palliatifs, qui restent encore en France peu exploités, peu développés, sous prétexte, justement, qu'on voudrait décider par soi-même du moment de sa mort. Et ensuite, deuxième élément, en tant que prêtre catholique, évidemment,
en tant que chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens, eh bien, nous sommes tous le fruit d'une civilisation chrétienne. Eh bien, l'enseignement fondamental, finalement, du christianisme, c'est que, à l'image de Jésus-Christ, qui meurt sur la croix, eh bien, la souffrance et la mort peuvent prendre un sens. Et c'est quelque chose, évidemment, que quelqu'un qui n'est pas chrétien aura du mal à saisir. Mais pour un chrétien, la mort et la souffrance ne sont pas inutiles, ne sont pas absurdes et ne sont pas injustes. En particulier, l'exemple évidemment du Christ, c'est que c'est par la souffrance et la mort qu'il parvient à la résurrection. Alors nous sommes tous appelés, évidemment, quand on a la foi, nous sommes appelés à la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort. Et la mort n'est qu'un passage. Et donc, il s'agit d'accepter notre mort comme une épreuve à passer pour arriver vers quelque chose de plus grand. Évidemment, c'est quelque chose, il faut avoir la foi, il faut croire à la vie éternelle pour avoir cette vision. Mais je pense que c'est justement urgent, il est justement urgent de parler à nouveau de la mort, de la vie éternelle, du jugement aussi auquel nous sommes appelés, d'un jugement par Dieu sur notre vie, sur la valeur de notre vie, et que finalement les souffrances ne sont pas, je disais, les souffrances ne sont pas inutiles parce que elles nous permettent aussi de racheter, par exemple, le mal que nous avons fait ou de participer, lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ, au salut du monde. Je sais que vous aimez bien les auteurs et la littérature. J'en profite pour citer une phrase de Bernanos, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Bernanos dit ceci, je crois dans Les grands cimetières sous la lune. Il dit, nous ne souffrons et nous ne mourrons pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et peut-être même les uns à la place des autres. Et donc, ce qu'il veut dire par là, il développe cette notion qu'on appelle dans la foi catholique la communion des saints, à savoir que toute œuvre bonne faite par quelqu'un ou mal supportée chrétiennement par quelqu'un, eh bien, peut servir pour le bien de l'humanité, pour le salut des âmes, pour le salut des autres. Bernanos lui-même prend cet exemple en disant c'est peut-être une petite jeune fille au Moyen-Âge qui sort dans la neige pour aller puiser de l'eau au puits parce que sa mère lui a demandé et qui le fait avec esprit chrétien. C'est peut-être cette souffrance, enfin, cette difficulté, cette épreuve qu'elle passe avec générosité qui est ce qui va me sauver moi, ce qui va faire que à l'heure de la mort, eh bien, je pourrai acquérir des mérites, demander pardon du mal que j'ai fait et obtenir l'éternité, le ciel, le bonheur éternel pour l'éternité. Oui, et puis, comme on l'a dit précédemment, il y a déjà des mécanismes comme la loi Leonetti qui prévoit justement cette sédation profonde. Après, c'est un débat qui est difficile, car il y a d'un côté les ultra-rationalistes qui vont partir du principe que, de toute façon, il vaut mieux soulager l'individu qui souffre, donc l'euthanasie peut être une solution. Et de notre côté, on a ceux, notamment les croyants, qui sont attachés à cette symbolique qui fait qu'on n'accepte pas l'idée qu'on puisse ôter la vie de notre individu, même si c'est pour des raisons bien particulières, bien précises, là encore. Moi, ce qui me gêne aussi… Il y a un élément, évidemment, qu'il faut mentionner immédiatement, qui est le fait que on aura beau légiférer tout ce que l'on veut, le risque, c'est que qui décide de la mort ? C'est-à-dire qu'à quel moment les membres d'une famille peuvent dire nous souhaitons que notre grand-mère, notre tante, notre fils meure. Évidemment, c'est la porte ouverte à tous les abus possibles, puisque qui peut dire que celui qui est en état de souffrance au moment où, où la décision doit être prise, eh bien, aurait pris lui-même cette décision, s'il n'est pas capable de la prendre. Et quand bien même ce serait la personne elle-même qui dirait « je souhaite mourir », est-ce que… il y a eu un cas très récemment d'une fille de 23 ans, si je ne me trompe pas, je crois en Belgique, qui avait vécu des attentats islamiques
pendant sa vie et qui n'avait pas réussi à s'en sortir psychologiquement, et donc qui avait demandé de mourir parce qu'elle était dans un état de souffrance psychologique trop grande. Mais est-ce que le rôle de l'humanité, le rôle des autres hommes, ce n'est pas d'essayer de soulager cette fille, de la soigner, de l'aider, de l'accompagner, plutôt que de lui dire, d'accord, vous voulez mourir, alors on va vous tuer. Est-ce que le jugement le plus humain, ce ne serait pas plutôt de dire, si elle veut mourir, c'est qu'elle est dans un état de souffrance et qu'elle a besoin d'accompagnement, d'affection, de compréhension, d'écoute, de tous ces aspects qui font que si les hommes avaient eu le souci du bien de cette jeune fille, eh bien, elle aurait sans doute changé d'avis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, donc, pour rappeler à ceux qui nous regardent, donc, comme vous le savez, l'euthanasie, et il me semble même que le suicide assisté est autorisé en Belgique. Donc, c'est une jeune fille de 26 ans qui a vécu les attentats qui se sont déroulés en Belgique. Il me semble qu'elle a vu l'attentat suicide qui s'est déroulé dans l'aéroport, si je ne dis pas de bêtises. Et elle était dans un état psychologique, elle était complètement dévastée. Et donc, la haute autorité chargée de ces questions-là a décidé que oui, elle pouvait pratiquer le suicide assisté à l'âge de 26 ans. Pour moi, c'est très symptomatique de notre époque, c'est-à-dire à la fois notre incapacité à lutter contre le terrorisme islamique, mais également le nihilisme ambiant qui, comme vous l'avez dit, choisit la facilité, c'est-à-dire on va décider d'ôter la vie d'une jeune de 26 ans au lieu de lui apporter une aide psychologique avancée, de lui tendre la main. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse terrible et c'est très symptomatique de notre époque. Et puis je voulais revenir sur une chose, puisque vous l'avez mentionné juste précédemment, c'est que le problème avec toutes ces lois qu'on appelle, qui sont en lien avec la société, donc sociétale, c'est que toujours il y a l'idée remarquable qui va être inscrite, sur le papier. Et la matérialisation de cette idée dans la pratique quotidienne. Je vous donne ne serait-ce qu'un exemple. La loi Veil, au départ, c'était un délai de grossesse inférieur ou égal à 10 semaines, ou 12 semaines quand il n'y avait plus les règles. Maintenant, en France, c'est jusqu'à la 14e semaine et la 16e semaine quand il n'y a plus les règles. Donc, on voit qu'il y a eu un élargissement de plus d'un mois. Bon. Se rajoute à cela également. Certains médecins, bien sûr, il y a une minorité, bien sûr, mais qui appellent à la possibilité, ou certains militants, de recourir à l'IVG jusqu'à au 9e mois. Donc, c'est vous dire jusqu'où ça va. Quand il y a eu la loi PACS, ça a Déjà le ouvert la cas, c'est porte. déjà le cas en France. Oui, de toute façon. Et en plus, il y a eu, je donne un autre exemple, la loi PACS, elle a ouvert plus tard, elle a ouverte, pardon, la voie au mariage homo. Et la PMA va ouvrir la voie à la GPA. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec toutes ces problématiques et ces lois qui sont bien ancrées avec la société, bien sur des problématiques de ce type, c'est qu'il y a toujours l'idée de base et l'élargissement de cette idée dans la pratique. Et comme vous avez dit, c'est la porte ouverte à de multiples abus, en quelque sorte, parce que je suis désolé de le dire, mais il n'y a aucun système humain qui est sans faille. À partir du moment où il y a une création humaine, il y a forcément des failles liées à cette création. Et le droit n'est pas une entité suprême où il n'y a pas de faille dans le droit. Et surtout, vous l'avez très bien dit, quand on décide de légiférer sur la mort, il y a forcément des conséquences. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette idée. Non, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est l'humanité elle-même, et qu'il faut comprendre cette loi de l'euthanasie, enfin ces projets de loi sur l'euthanasie, dans une conception plus globale de l'homme. Vous avez mentionné l'avortement, évidemment. On peut mentionner aussi les intentions transhumanistes, etc. L'homme aujourd'hui, face à la technique, ou grâce à la technique, est devenu comment dire, ce qu'on appelle la figure de Prométhée, c'est-à-dire celui qui peut, parce qu'il a la technique, il peut faire soit le bien, soit le mal. Et si l'on n'a pas de cadre de valeur, une morale, une notion claire de ce qui est bien et de ce qui est mal, eh bien, c'est la porte ouverte à
tous les abus et toutes les choses les plus inhumaines et les plus barbares. Et finalement, ces projets sur l'euthanasie, eh bien, pour moi, sont un retour à une forme de barbarie dans laquelle on ne cherche plus à soigner son prochain, son voisin, mais on cherche à se faire maître de la vie et de la mort au point de devenir inhumain. C'est l'histoire de Prométhée. Vous connaissez cette histoire antique de Prométhée qui a volé le feu à Zeus et à Athéna et qui l'a donné aux hommes. Et le résultat, c'est que les hommes s'entretuent parce qu'il a mis entre leurs mains quelque chose qui était divin sans leur donner la vertu qui allait avec. Et donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons des moyens techniques de tuer les gens et que c'est une bonne chose. Donc, je pense que l'humanité est une forme de tournant. C'est-à-dire que l'homme tout-puissant, l'homme qui se veut tout-puissant, qui a chassé Dieu de son champ de réflexion, qui a chassé la morale, comme disent les gauchistes, ni Dieu ni maître, eh bien, sans Dieu et sans maître, l'homme devient un barbare et un criminel. Et donc, il faut plutôt se méfier de l'humanité, parce que l'humanité n'est pas parfaite. Tout le danger, c'est l'homme qui veut se faire Dieu à la place de Dieu. Et donc, on en arrive à des considérations religieuses, évidemment, parce que l'homme qui a abandonné Dieu, qui a chassé Dieu, qui a détruit Dieu à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, eh bien, s'est révélé être un être barbare. Je crois que le 20e siècle est le siècle des plus grandes barbaries. Il faut savoir ce que nous voulons pour le 21e siècle. Et c'est aux générations, aux jeunes générations, ceux qui ne sont pas coupables d'avoir rejeté toutes les traditions, toutes les valeurs, toute la morale, tout l'héritage dont nous étions le fruit, le long fruit, nous étions le résultat d'une longue maturation. Eh bien, il est urgent que les jeunes générations reviennent vers des valeurs et vers des conceptions cohérentes de l'homme, de sa place dans l'univers et de sa place par rapport à Dieu, par rapport au bien et par rapport au mal. Très bon parallèle avec Prométhée qui a volé donc le feu aux dieux, qui peut représenter soit le savoir, soit la technique, et qui fut châtié en étant enchaîné, et chaque jour un aigle vient lui dévorer le foie. Il y a une question, enfin plutôt une affirmation qui est revenue dans le chat assez fréquemment, c'est le clavardage pour les francophones plutôt, c'est le fait qu'aussi c'est une désacralisation du corps humain en quelque sorte. L'idée qu'après tout, on peut se débarrasser de quelqu'un comme ça avec une simple injection et qu'il n'y a plus de volonté de lutte, il n'y a plus une volonté de tendre la main à cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de la désacralisation du corps humain en parallèle? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que la désacralisation du corps humain advient en parallèle avec la négation de l'âme. C'est-à-dire que si l'on a une conception de l'homme comme une union, une unité entre un corps et une âme, eh bien, ce qui est le cas de la foi chrétienne, eh bien, nécessairement, le chrétien doit respecter son corps parce que c'est là où se trouve, là où vit son âme qui est appelée à l'éternité, qui est une réalité spirituelle supérieure. Et bien sûr, il faut agir, il faut utiliser son corps, puisque nous ne sommes pas des purs esprits, mais nous sommes des esprits dans un corps. Mais du coup, le corps est le lieu de l'action de notre esprit. Et à partir du moment où on nie la réalité spirituelle de l'homme, ce qui est typique de tous les philosophies matérialistes, en particulier le marxisme ou le consumérisme actuel dont nous sommes complètement victimes. Eh bien, si l'on pense que l'homme n'est rien d'autre qu'un amas de cellules sans une présence spirituelle, eh bien, non seulement on n'élève pas l'homme, mais finalement on n'élève pas le corps, on n'élève pas la matière, mais finalement on finit par la détruire. Donc c'est très paradoxal parce que ceux qui nient l'âme au profit du corps et de la matière, eh bien finalement sont les propres destructeurs de la matière et du corps.
Oui, c'était Spinoza qui faisait ce lien direct, enfin cette union entre le corps et l'âme en quelque sorte. D'ailleurs, on parle de désacralisation, ça nous amène directement sur le deuxième sujet de cette émission, qui est la désacralisation des églises. Je ne vous apprends rien, monsieur l'abbé, vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, les églises en France, en plus d'être vides, malheureusement, sont saccagés. J'ai une image sous les yeux. Donc ça, c'est la chapelle Saint-Joseph qui a été vandalisée à coups de hache à Saint-Paul-de-Léon. Je vous montre cette image, mais en réalité, il y en a une pléthore. Hein. Il suffit de regarder les chiffres. On aura l'occasion de revenir sur ces derniers un petit peu après. Je vais vous passer une vidéo, monsieur l'abbé, parce qu'il y a d'un côté des actes de vandalisme pur et simple, avec des individus qui pénètrent dans un lieu de culte et qui décident de le saccager. Mais on a d'autres désacralisations qui sont beaucoup plus perverses. Je mets la vidéo et après on aura tout le loisir de la commenter. Donc, puisqu'il n'y a pas de son, parce que la musique était protégée par des droits d'auteur, il s'agit d'un Basic Fit, une salle de musculation qui se trouve à Caen et qui prend place dans une ancienne église. Donc, vous pouvez le constater directement sous vos yeux. Voilà, c'est énorme et c'est bizarre, un peu comme le dit la jeune fille qui a pris en vidéo ce lieu. Souvent, ce qui est ressorti, monsieur l'abbé, on va d'abord parler de Basic Fit et puis après du saccage dans les églises. Souvent, ce qui est ressorti, j'avais déjà partagé cette vidéo sur mes propres réseaux et beaucoup me disaient. Oui, mais le doc, regarde, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que l'église n'a pas été détruite. Elle n'a pas été détruite, elle est encore là, même si elle sert à autre chose, et il vaut mieux qu'une église devienne un basic fit, qu'elle soit détruite. Personnellement, je ne partage pas cet avis, mais j'aimerais surtout avoir le vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les églises sont vouées à devenir soit des discothèques, soit, parce que c'est le cas dans certaines villes, soit des basic fit ou autres salles de sport? Alors, pour répondre très clairement à la question, je pense qu'il faut mieux qu'une église soit détruite plutôt qu'elle devienne une salle de musculation. Et pourtant, j'ai rien contre les salles de musculation. Mais si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'une église? Eh bien, l'église a été construite par les générations précédentes. Alors, une parenthèse. En général, dans les cas que vous mentionnez ou le cas de ce Basic Fit, je ne connais pas en particulier, mais j'imagine que ce sont des églises construites récemment et donc qui sont des propriétés privées qui ont été vendues, ce qui n'est pas le cas en théorie des églises historiques qui sont protégées quand même par l'État. Mais c'est une problématique qui se pose de plus en plus dans de très nombreux villages en France, c'est-à-dire que l'entretien des églises coûte de plus en plus cher et l'église évidemment n'a pas les moyens d'entretenir les bâtiments parce que j'ouvre une seconde parenthèse. Il faut se souvenir quand même que les églises étaient propriétés de l'Église catholique jusqu'en 1905, qu'avec la loi de séparation de l'Église et de l'État français a volé toutes les églises à l'Église catholique, mais l'État français a aussi réquisitionné, donc volé toutes les sources de revenus qui étaient les terrains qui permettaient d'entretenir les églises. Et donc, autrefois, l'Église catholique avait les moyens d'entretenir les églises grâce à des sources de revenus qui allaient avec. Et l'État, quand l'État s'est approprié, l'État républicain s'est approprié tous ces terrains et tous ces biens, eh bien, les a dilapidés et aujourd'hui se trouvent dans une situation dans laquelle ils sont bien incapables d'entretenir efficacement, en tout cas, toutes les églises qui se trouvent sur notre territoire. Alors, pourquoi je disais, qu'est-ce que c'est qu'une église? Une église, c'est un lieu qui a été construit pour être un lieu sacré. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu sacré? C'est un lieu qui est réservé pour des activités tout à fait particulières, qui sont les activités de la religion, c'est-à-dire le lieu où Dieu est présent, où on peut se rendre pour rencontrer Dieu dans la prière dans la présence. Alors surtout pour la foi catholique, évidemment, Dieu est présent en plus réellement dans l'Eucharistie, dans le sacrement de l'Eucharistie qui est célébré dans les églises. Donc, si vous voulez, un lieu sacré, c'est un lieu qui est réservé pour quelque chose de particulier. Et le fait d'utiliser ce lieu pour une activité profane, ce qui est profane,
qu'on appelle une profanation, c'est le fait d'utiliser un lieu réservé pour autre chose, eh bien, c'est évidemment une destruction de l'essence même du lieu et de ce pourquoi les générations précédentes l'ont construit. Et donc, c'est une forme d'insulte, de mépris pour les générations d'autrefois, qui et surtout tous nos ancêtres, qui ont donné chaque dimanche une petite pièce à la messe, qui ont pris sur leur bien particulier, personnel, pour construire ces lieux de culte. Et donc, c'est un mépris qui est intolérable. Et donc, je répète, je pense qu'il faut mieux qu'une église, qu'un lieu de culte soit détruit, plutôt qu'il serve pour une activité aussi banale et aussi peu sacré qu'un exercice de sport. Et d'ailleurs, la question que je me pose, si vous voulez, c'est toujours est-ce que vraiment c'est intéressant d'aller faire du sport dans une église ? Est-ce que il n'aurait pas mieux fallu pour eux qu'ils se construisent un bâtiment adapté à cette activité ? Et vous parliez de boîte de nuit. Si vous voulez, c'est vraiment la perversité de transformer une église en boîte de nuit. C'est vraiment une insulte envers la nature même du lieu et de ce qui est sacré. Et pour parce que souvent on m'a dit, parce que je parle souvent justement du sacré, des rites sacrés, des lieux sacrés, des objets sacrés, et certains, s'ils ne sont pas chrétiens, ou même s'ils sont chrétiens, certains ne comprennent pas forcément ce que ça signifie. J'utilise un exemple. Nous avons tous dans notre vie des objets qui ont une importance pour nous, qui ont une valeur. Par exemple, je sais pas, un objet qui signifie votre enfance ou qui vous rappelle votre père qui est décédé, quelque chose qu'il vous avait donné quand vous étiez petit. Moi, mon père m'avait offert un couteau suisse que j'ai gardé bien précieusement. Et maintenant que mon père est décédé, cet objet n'a pas pour moi simplement la valeur d'un couteau suisse. Il a la valeur il représente, il est ce qui me relie à quelque chose qui a disparu et quelque chose d'aussi important que la figure de mon père. Et donc, si quelqu'un prenait ce couteau et le jetait à la poubelle ou le profanait, c'est-à-dire que l'utiliser sans comprendre la valeur que cet objet a, eh bien, ce serait, je le ressentirais en tout cas personnellement comme une atteinte à ce qui a de la valeur pour moi. Et donc, les lieux sacrés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'est pas chrétien, eh bien, n'importe qui devrait penser qu'un lieu sacré, aussi bien qu'un objet sacré qu'un rite sacré, eh bien, a une valeur pour celui qui le pratique et qui l'utilise. Et donc, ce qui me désespère sans doute le plus dans ces exemples que vous donnez, c'est l'indifférence des chrétiens. L'indifférence des chrétiens qui ne se rendent pas compte de l'urgence de récupérer leurs lieux sacrés, de les exploiter, de les reconstruire s'il le faut, de les réparer s'il le faut. Et donc, je pense qu'il est urgent justement que la France chrétienne et la France, tous ceux qui se sentent héritiers de ce siècle de christianisme, eh bien, se réapproprient ces lieux et ne laissent plus profaner ces lieux sous prétexte qu'ils ne sont pas rentables. D'ailleurs, c'est en lien avec la question précédente, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que nous vivons dans une société où il n'y a que la rentabilité qui semble avoir un sens. Donc, quand une vie n'est plus rentable, quand elle ne vaut plus la peine d'être vécue, eh bien, on la jette. Eh bien, quand un lieu ne sert plus à rien, il ne rapporte plus d'argent, eh bien, on le fait servir celui qui a le plus d'argent et celui qui va essayer de l'exploiter de la façon la plus efficace économiquement. Et cette omniprésence de l'économie, de l'efficacité, de la rentabilité, je pense que c'est ce qui détruit l'humanité, justement. Alors, monsieur l'abbé, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il vaut mieux détruire une église que la laisser à un basic fit et encore moins à une boîte de nuit. Au-delà de ça, on en avait déjà parlé précédemment, puisqu'on discute parfois sur les réseaux sociaux. Vous savez que je ne suis pas croyant, mais j'ai fait l'effort de lire l'évangile et il y a un passage qui, pour moi, les catholiques ont tendance à oublier un peu trop souvent. Et peut-être que vous avez une idée du passage en question. Il s'agit, dans les évangiles, donc du Christ qui chasse les marchands du temple, le jour de la Pâque.
Donc, en gros, le temple est devenu une sorte de marché et Jésus et ses disciples rentrent dans le temple pour, comme son nom l'indique, chasser les marchands du temple. Alors, dans certaines versions, il me semble que c'est avec un martinet, mais le Christ fait preuve dans ce passage-là d'une certaine forme, j'ose le terme, et peut-être que vous me rectifierez, de violence, ou du moins, il est dans une forme d'action. Et je suis assez surpris parce que il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive sur les réseaux des messages de catholiques qui me montrent des églises saccagées et qui en réalité sont incapables de les défendre. Je parle également de profanations qui se font directement dans le lieu. La dernière fois, il y a un geste que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui de Baptiste Marché, qui visitait Barcelone. Il me semble que c'était la cathédrale qui, pendant la prière, a été importunée par un gars qui avait mis de la musique de reggae ou quelque chose comme ça. Et ce monsieur s'est mangé une enceinte. Bon, alors après, on peut dire c'est violent, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une problématique qui est la suivante, c'est que les catholiques n'ont pas, et vous serez peut-être d'accord avec moi ou non, mais ce sera l'occasion de débattre sur cette question, les catholiques n'ont pas assez, à mon avis, montré une forme de tribalisme, ni même de volonté véritable de protéger leur lieu de culte. Or, on sait très bien que dans certaines autres religions, je pense notamment à l'islam, il serait impensable aujourd'hui que des individus rentrent dans une église, dans une mosquée, pardon, et se mettent à twerker. Donc, je suis assez étonné de la passivité des catholiques parfois par rapport à ce type d'événement, même si tout cela est à nuancer, puisque j'ai été assez surpris. Lorsqu'à Nantes, à l'église Notre-Dame du Bon Port, il y a eu un concert d'une artiste suédoise qui s'appelait, alors désolé pour le nom, mais les Suédois, vous les connaissez, même leurs noms de meubles sont compliqués, donc je vais essayer de faire l'effort. Anna von Oswolf, qui d'ailleurs avait des paroles assez explicites où elle disait qu'elle avait des relations sexuelles avec le diable, bon, le temps est donné, ça avait été autorisé par l'évêque lui-même, et on a eu des catholiques, des pratiquants, qui sont venus défendre leur église. Je propose qu'on regarde la vidéo et puis je vous laisserai commenter tout ce que j'ai dit et puis peut-être rebondir. Donc, je vous montre la vidéo. Donc la question que je voulais vous poser, monsieur l'abbé, c'est est-ce que les catholiques ont eux aussi une part de responsabilité dans la dégradation ou la désacralisation des lieux de culte catholiques? Oui, bien sûr. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui dans l'Église catholique une crise majeure qui accompagne justement cette crise de civilisation. Et je pense que là où l'Église devrait être un roc, un bastion imprenable devant cette déliquescence de l'humanité, eh bien malheureusement, depuis des dizaines d'années maintenant, il y a en tout cas une partie de l'Église qui prétend accompagner ce mouvement de l'humanité, qui prétend s'adapter au monde, à la société, aux exigences sociales, et qui sans cesse ne fait que diluer le message de l'Évangile, le message de la foi catholique, sous prétexte d'être mieux reçu par la société, avec ses exigences toujours plus folles dont on a parlé précédemment, que ce soit sur l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, etc. Et donc, si vous voulez, il existe dans l'Église aujourd'hui une tension, quasiment une division radicale entre ceux qui disent il faut accompagner le monde et donc tout accepter, et qui ont réduit finalement la foi catholique au fait de dire, ah ben non, nous sommes dans l'amour et dans la tolérance. Et puis ceux qui disent, mais non, il faut rester fidèle à ce que l'Église a toujours été, c'est-à-dire il faut être conscient qu'il y a que certains nombre de mouvements dans la société, d'avancées qu'on appelle sociales, s'opposent au bien de l'humanité parce qu'elles s'opposent à la foi chrétienne et que le rôle des catholiques, justement, est de défendre ces valeurs. Et cela passe en particulier par la défense
des lieux sacrés. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que finalement, ces chrétiens que vous avez montrés dans la vidéo ont tout à fait, ils ont bien fait de défendre ce lieu et d'empêcher qu'ait lieu dans cette église qui n'était pas du tout désaffectée. Hein, c'est une église dans laquelle il y avait des messes et des offices religieux et qui avait été prêtée sous prétexte, je ne sais pas, d'ouverture de tolérance ou d'ouverture au monde à effectivement une artiste qui n'avait rien à faire dans une église. Que cet artiste à moitié sataniste ou même si elle n'est pas sataniste qu'elle aille faire ses spectacles dans une salle municipale, tant mieux pour elle, c'est son problème et c'est le problème des gens qui veulent la suivre. Mais pourquoi vouloir faire entrer dans ces lieux sacrés et pourquoi est-ce que certaines autorités dans l'Église non seulement laissent faire cela, mais même le favorisent? Et donc effectivement, il y a dans l'Église aujourd'hui une crise gravissime qui s'exprime en particulier par la désertion des églises, par le fait que plus personne ne pratique, qu'il y a très peu de renouvellement des vocations religieuses, que bientôt il n'y aura quasiment plus de prêtres en France. Et donc il est temps de parler et d'arrêter de soutenir ces attitudes qui sont destructrices de notre propre religion. Alors que les choses soient claires, je n'accuse personne, c'est-à-dire que sans doute le je ne sais pas si c'est l'évêque ou en tout cas le responsable de la pastorale ou de l'utilisation de l'église que vous mentionnez à Nantes avait cru bien faire, c'est-à-dire qu'il a sûrement agi en toute bonne foi. Je ne mets pas en cause sa bonne foi, mais de fait objectivement c'est quelque chose qui n'était pas bon. Il n'était pas bon ni pour les chrétiens, ni pour le culte catholique, ni pour la sauvegarde de ces lieux sacrés, justement. Alors, on ne vous entend pas. Le micro est coupé. C'est bon, autant pour moi. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez soulevé une question qui est très intéressante. C'est le fait qu'on a l'impression que parfois, il y a une volonté de salir un lieu de culte, c'est-à-dire que on sait très bien qu'aujourd'hui en France, il y a des tas de zéniths, il y a des tas de salles de concert qui seraient largement susceptibles de permettre la tenue de ce type de concert, mais la question c'est pourquoi vouloir tenir ce type de concert dans une église? C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois il y a une volonté assumée, ou non aussi, de désacralisation du lieu. Je ne sais pas si vous partagez cette idée, qui est qu'il y a cette salle pour faire des concerts, en somme. Oui, je vais même être encore plus radical que vous. C'est-à-dire que ce qui est absurde, c'est que en même temps, un certain nombre de prêtres et de responsables de l'Église veulent désacraliser les lieux sacrés, et en même temps, de plus en plus, si peut-être vous avez constaté ça, lorsqu'on organise en France, dans les diocèses, des grandes manifestations, des grandes messes, des cérémonies sacrées, eh bien, plus volontiers, on va aller louer un zénith pour le faire plutôt que de le faire dans la cathédrale. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans l'Église catholique, un problème qui est lié justement au sacré. On a perdu, en tout cas, certains ont perdu le sens du sacré et le sens justement des lieux sacrés, des rites sacrés. Et pour quelle raison? Parce que finalement, c'est l'expression du sens de la religion. Est-ce que, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, est-ce que le but de la religion, c'est d'être au milieu du monde, comme le monde, accepté par le monde? Ou est-ce que le but de la religion chrétienne, c'est d'être évidemment dans le monde, mais pour proposer autre chose que ce que le monde propose? Et je pense que la lecture de l'Évangile manifeste de façon évidente que le Christ n'est pas venu parmi les hommes pour être aimé, pour être apprécié. Il a été apprécié lorsqu'il prêche devant des foules immenses dans le sermon sur la montagne ou lorsqu'il fait le miracle de la multiplication des pains, etc. Il y a des foules immenses ou lorsqu'il rentre dans Jérusalem sur un âne le dimanche des rameaux où les gens l'accueillent en le reconnaissant comme le Messie, le roi David qui revient pour sauver, qui est celui qui a été annoncé depuis des milliers d'années. Mais lorsqu'il est acclamé par la foule, il est aimé par le peuple, eh bien, il reconnaît ce droit qu'il a d'être aimé, honoré, respecté, adoré comme Dieu. Mais lorsque les hommes s'opposent à lui,
eh bien, il assume d'être un objet de contradiction. Il dit qu'il est la pierre angulaire sur laquelle chacun sera jugé. Donc, finalement, le chrétien qui veut être à l'image du Christ, eh bien, lorsqu'il prêche au monde et que le monde l'écoute, bien sûr, il est heureux de diffuser, d'enseigner la parole et d'être reçu. Mais lorsque le monde ne veut plus écouter l'enseignement de l'Église, eh bien, il faut continuer, il faut rester fidèle à cet enseignement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le libéralisme en politique en général ou en philosophie. Mais dans la foi catholique, c'est une espèce de mouvement libéral qui veut finalement adoucir les enseignements de la foi, aussi bien dans le dogme, dans l'enseignement des vérités de la foi que dans la morale, pour ne pas être mal reçu par le monde. Sous prétexte d'être mieux accepté, eh bien, on va diluer l'enseignement de la foi, et c'est ça qui est en jeu finalement. Et c'est la survie même de l'Église qui est en jeu à cause de cette vision libérale qui finalement détruit l'Église et a vidé les Églises depuis 60 ans. Donc il est temps de se poser les bonnes questions, de revenir là-dessus, d'ouvrir une grande réflexion d'abord au cœur de l'Église, parce que c'est le rôle de l'Église elle-même qui est et sa place dans la société qui est en jeu. Alors, monsieur l'abbé, j'ai deux questions pour vous qui sont en réaction par rapport à ce que vous disiez précédemment. La première, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez, et vous répondrez aux deux questions directement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le catholicisme que vous pratiquez une sorte de germe protestant? Dans la mesure où, vous parliez tout à l'heure de Zénith, où il y a une forme de, comment je pourrais dire, de messe-spectacle, comme le savent très bien faire les protestants, ce libéralisme qui est d'ailleurs profondément lié au protestantisme, comme l'a démontré assez brillamment Max Weber. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le fait que la religion catholique soit inoculée par le protestantisme, un attrait pour cette religion-là, pour plutôt ce dogme-là? Et en parallèle, est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance du message du Christ? Parce que souvent, ce qui est dit par certains catholiques, excusez-moi de l'expression, mais certains catholiques tièdes, qui est « Jésus tend l'autre joue », alors qu'il me semble que c'est dans l'Évangile selon Matthieu, à un moment, le Christ dit la chose suivante, vous me corrigerez si je me trompe, que ceux qui font du mal aux petits se mettent autour du cou une meule de moulin et se jettent au fond de la mer. Donc on se rend compte que le Christ peut se montrer, désolé encore pour l'expression, mais les termes sont dits, il peut se montrer violent, extrêmement dur, mais juste également. Donc, ma question est double. Est-ce qu'il n'y a pas, d'un côté, une forme de protestantisme qui se développe dans l'Église catholique, même si, bien entendu, il y a il ne faut pas jeter tout le protestantisme en pâture, bien entendu, mais malgré tout, il y a une volonté de spectacle dans le protestantisme. Et en parallèle, est-ce que le message du Christ tel qu'il était n'a pas été dévoyé par une partie des croyants qui ont tendance à le croire plus faible que ce qu'il était réellement? Alors, je pense qu'il faut, distinguer les deux aspects. Il ne faut pas les mélanger. Alors, du coup, je vais répondre d'abord sur la question de la protestantisation de l'Église. Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, dans le sens où, pendant tout le XXe siècle, et de façon peut-être plus sensible au moment du Concile Vatican II, il y a eu cette idée, par des mouvements œcuménistes, de dire finalement, en fait, il faut qu'on se rapproche des protestants pour devenir plus forts, pour que nos églises soient unies, etc. Quel est le fond du problème du protestantisme ? On pourrait en parler pendant des heures, évidemment, mais le fond du problème du protestantisme, c'est quel est le rôle que vient réaliser Jésus-Christ dans le monde? Est-ce qu'il vient changer le monde tel que nous le vivons tous les jours pour le rendre meilleur? Ou est-ce qu'il vient nous annoncer que ce monde n'est qu'un passage vers un monde meilleur qui, lui, est un monde de grâce, de vérité, d'absolu, de perfection, etc. Donc, c'est une question de question théologique, c'est une question de grâce.
À savoir, enfin, la question surnaturelle, est-ce que l'enseignement du Christ vient surélever les hommes à quelque chose de supérieur à l'humanité, de surnaturel, ou est-ce que finalement le Christ ne vient que nous donner des solutions humaines à nos problèmes humains? Et je pense que c'est là que se joue, j'essaie de le dire de façon simple, mais je pense que c'est là que se joue la question, la différence des distinctions entre le protestantisme et le catholicisme. Alors, une difficulté, c'est qu'il n'y a pas un protestantisme, il y a une foule de protestantisme. Parce que le protestantisme historique, originel, est au contraire un protestantisme qui est très basé sur la question du salut éternel, justement, qui voit le péché comme une sorte d'absolu qui ne peut pas être résolu intérieurement, mais qui peut être simplement recouvert par la grâce divine. Vous savez que en particulier chez les calvinistes, il y a une question de la prédestination, c'est-à-dire que certains sont choisis pour la vie éternelle, pour aller au ciel, et puis d'autres ont été choisis par Dieu pour aller en enfer, alors que la foi catholique dit que chacun est responsable de son salut, en fonction des actes bons qu'il pose et du mal qu'il évite. Donc, ce sont des questions quand même très complexes. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, oui, quand on voit dans l'Église, alors vous parlez des grands rassemblements, dans les zéniths, etc., l'aspect spectacle, il y a aussi l'aspect, je pense, une grande faiblesse de l'Église catholique aujourd'hui, c'est le fait d'avoir abandonné la doctrine de l'Église, le catéchisme, au profit d'une vision beaucoup plus protestante de l'omniprésence de la Bible, comme si Dieu s'était révélé dans un livre. Alors qu'en fait, Dieu ne s'est pas révélé pour les chrétiens, Dieu ne s'est pas révélé dans un livre, mais il s'est révélé dans une personne, dans Jésus-Christ, qui a fondé une église. D'ailleurs, le Christ lui-même n'a rien écrit, et c'est l'église qui nous donne l'interprétation des textes. Ce n'est pas chacun qui ouvre un texte et qui se dit, voilà ce que Dieu me dit, qui est plutôt une attitude protestante. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'éléments comme cela, et de la même façon, aujourd'hui, on voit dans l'église un espèce de rejet de ce qu'a été l'Église par le passé, au Moyen Âge, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, etc., sous prétexte qu'il faudrait revenir à plus d'authenticité christique. Et je pense que ce rejet du passé, c'est vraiment ce qui détruit l'Église catholique aujourd'hui. Je pense que si l'Église catholique a agi d'une certaine façon par le passé, elle était assistée du Saint-Esprit, c'était la présence de Jésus-Christ dans le monde, et donc c'est en étant fidèles à ce que l'Église nous a transmis que nous serons fidèles à Jésus-Christ. Et malheureusement, on trouve chez beaucoup de catholiques, même aujourd'hui, une espèce de mépris du passé. Vous savez, on vous dit toujours oui, les croisades, l'Inquisition, comme si c'était des choses mauvaises et qu'il fallait rejeter, qu'il fallait comme si l'Église n'avait pas su accueillir l'étranger, accueillir l'autre, accueillir les différences, etc. Je pense au contraire que la sagesse de l'Église, eh bien, notre rôle est de la recueillir, de la recevoir et de la transmettre. Donc, si vous voulez, par rapport au protestantisme, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour le catholicisme aujourd'hui, et que cette compromission avec le protestantisme est effectivement quelque chose qui est très dommageable pour l'Église catholique. Ensuite, sur la question de la violence ou de la radicalité, là encore, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de citer un texte de la Bible en disant voilà, chacun doit agir de telle ou telle façon. Ce qu'il faut voir, c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Effectivement, l'Église a toujours enseigné que il était un devoir du chrétien de défendre sa foi, de défendre son pays, de défendre son honneur, de défendre sa famille, et que cela faisait partie aussi des enseignements du christianisme, et que une certaine violence, alors effectivement le mot violence aujourd'hui fait bondir, mais une certaine, en tout cas disons une certaine force, est tout à fait vertueuse. Et dans l'Antiquité comme dans la foi catholique, la force est une vertu cardinale. C'est une vertu avec la justice, la prudence et la tempérance. Ça fait partie des quatre vertus qui font qu'un homme, qu'un être humain en tout cas, vit à la hauteur de sa destinée spirituelle et de sa réalité, de sa nature spirituelle. Donc, pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, et disons que
Celui qui voudrait à tout prix rejeter toute force, toute exigence et toute forme de radicalité sous prétexte qu'elle est violence, eh bien, n'agit pas conformément à ce qu'a été l'enseignement de l'Église depuis toujours. Très bien, monsieur l'abbé, je crois qu'on a fait le tour de cette question. C'était véritablement passionnant et je vous en remercie. Je souhaite remercier également les gens dans le clavardage ce soir qui sont particulièrement calmes et c'est très appréciable. On va passer au prochain sujet qui est assez important, même s'il n'est pas directement en lien avec la religion, mais on va pouvoir faire le parallèle très rapidement. J'affiche à l'écran un chiffre qui fait peur. 14,6% des Français, soit plus de 9 millions de personnes, sont sous le seuil de pauvreté en France. On l'a vu ces derniers temps avec l'inflation, avec les pénuries d'essence, etc., qu'il y a aujourd'hui des gros problèmes chez beaucoup de Français d'un point de vue économique. Le pouvoir d'achat a été un sujet cardinal de cette élection. La question que je voulais vous poser, monsieur l'abbé, est la suivante. Est-ce que l'Église a abandonné les classes populaires ou est-ce que c'est les classes populaires qui ont abandonné l'Église? Ou est-ce que c'est un savant mélange des deux? Bonne question. Bonne question. Ce qui est sûr, c'est que autrefois en France, la force de l'Église, c'était précisément les classes populaires. C'était précisément toutes les campagnes françaises qui vivaient au rythme de la foi, qui se nourrissaient de la foi chrétienne, de la pratique chrétienne, avec le culte dominical, évidemment, le fait que tout le monde se retrouvait à la messe du dimanche, ce qui est le meilleur point de mixité sociale. Si vous voulez, il n'y avait pas besoin d'imposer des HLM ou des quotas de migrants. C'est-à-dire que si dans une société dans laquelle tout le monde se retrouvait, les riches comme les pauvres, les nobles comme les paysans, tout le monde se retrouvait au pied de l'autel à prier Dieu, c'est ça la véritable mixité sociale. C'est-à-dire que si elle est imposée d'en bas ou imposée par des lois, eh bien elle est toujours artificielle et toujours l'objet de conflits. Mais la véritable mixité sociale, c'est quand tout le monde se met à genoux devant Dieu. Parce que devant Dieu, que vous soyez noble ou gueux, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez noir ou blanc, eh bien vous avez la même valeur. Et donc, cette mixité sociale, justement, elle existait réellement dans nos campagnes, dans les villages, dans les bourgs, dans les banlieues, etc. Et ce qui est vrai, c'est que la destruction des campagnes françaises a accompagné est allée de pair, en tout cas, est allée en parallèle avec la disparition de la pratique religieuse. Je vous donne une toute petite anecdote. Moi-même, avant d'être à Rome, puisque maintenant j'habite à Rome, mais avant ça, j'habitais dans le Perche, où j'étais professeur dans le séminaire de ma communauté qui se trouve près de Chartres. Et le dimanche, donc, j'étais chargé d'aller dire la messe dans un petit village qui s'appelle Manou, en Eure-et-Loire, et près de La Loupe. Voilà, donc c'est vraiment un petit village où il n'y a pas grand-chose et pas grand monde. Et alors, c'était très intéressant parce que j'avais été chargé de dire la messe à cet endroit-là, parce qu'il y avait quelques familles qui cherchaient la messe, mais je pense que la messe n'avait pas été célébrée chaque dimanche dans cette église de campagne depuis une quarantaine d'années. Et donc, il y avait des gens qui venaient. Alors, maintenant, c'est un autre prêtre qui a pris la suite. Donc, il me disait récemment qu'il y a quasiment une centaine de personnes qui viennent maintenant tous les dimanches. Mais à l'époque où j'ai commencé, il y avait, plutôt 20 personnes qui venaient le dimanche. Donc, c'était tout un processus de recomposition. Et alors, si vous voulez, ce qui m'impressionnait beaucoup, pourquoi je vous raconte ça, c'est que dans le village qui avait sans doute peut-être 300 habitants ou 400 habitants, je me disais… Alors, les gens étaient venus voir et puis ils me disaient qu'ils avaient apprécié, qu'ils trouvaient ça bien, qu'il y avait le dimanche, etc. Mais ils avaient complètement perdu l'habitude de la pratique dominicale. Et finalement, je disais, mais qu'est-ce que les gens, c'est la majorité des retraités qui étaient devant leur télé le dimanche matin, je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire plutôt que d'aller prier devant Dieu et puis de participer à cette activité sociale où on trouvait des familles, des jeunes, des enfants, d'autres personnes âgées, etc. Et je me disais toujours, mais c'est,
C'est incroyable. Pourquoi est-ce que les gens ne se disent pas, bah, il y a un peu d'animation, il y a quelque chose qui se passe, autant y aller. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui vivent dans la campagne, qui nous écoutent, ou ceux qui connaissent les campagnes, savent bien qu'il y a un véritable problème gravissime de désertification des campagnes, parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a plus d'activité, parce qu'il y a, il y a un niveau social qui est souvent dramatique. Et je regrette beaucoup, et je pense que la grande blessure de l'Église en France aujourd'hui, c'est de ne plus savoir parler aux classes populaires. Ça s'est vu, par exemple, lors des épisodes des Gilets jaunes, il y a 3 ans maintenant. Moi, j'ai eu ces expériences, et d'autres confrères prêtres ont eu exactement les mêmes expériences. Le fait de se rendre sur des ronds-points où il y avait les Gilets jaunes, nous avons toujours été accueillis à bras ouverts par des gens qui n'étaient pas spécialement chrétiens ou pas spécialement pratiquants, mais qui disaient « Ah, c'est super de voir un prêtre qui est au milieu de nous, qui est avec nous. » Et je pense que c'est là où l'Église catholique devrait, doit, en tout cas, je pense que c'est une partie de ma mission, de notre mission de prêtre, être présent pour soutenir le cri des couches, des classes populaires, de ceux qui souffrent dans leur combat quotidien. Et il y a quelque chose qui me marque aussi. Vous savez, il y a toujours les congrès dans l'Église sur la mission, comment être missionnaire, comment parler aux gens, comment l'Église peut se développer, etc. Et l'autre jour, je participais à ce genre de discussion, de débat. Et alors, il y avait donc celui qui disait qu'il était spécialisé auprès des migrants, celui qui était spécialisé auprès des prostituées, celui qui était spécialisé dans les prisons, etc. Et à un moment, j'ai posé cette question un peu naïvement, une fausse naïveté. Je dis, mais et qui s'occupe des gens normaux? Enfin, qui s'occupe des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui vont au boulot tous les matins, qui ont leur famille, qui luttent chaque jour pour essayer d'être des gens honnêtes et des braves gens? On a l'impression que l'effort missionnaire de l'Église ne se porte que vers des cas particuliers, alors qu'il faudrait concentrer l'effort missionnaire sur ce qui a fait la richesse, la grandeur, la beauté de l'Église en France, à savoir le peuple. Autrefois, comme je l'ai dit en introduction, je suis breton des Côtes d'Armor. Autrefois, il est évident que dans le village d'où je viens, à Erquy, mais tout le monde était catholique. Tout le monde allait à la messe le dimanche, tout le monde participait au pardon, à la fête du 15 août, à la fête de Sainte-Anne, aux fêtes locales, etc. Et c'est ça qui faisait la beauté de la vie sociale et de la vie en France, dans les villages, avec l'aspect de l'identité locale, de l'identité régionale. Chacun se reconnaissait dans ce qui avait lieu autour des cérémonies religieuses. Et donc, il faut retrouver, d'une certaine façon, le réel, retrouver le réel, le concret. Et je pense que c'est un rôle principal que l'Église catholique doit retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire savoir toucher ceux qui sont les plus simples, les plus pauvres et les plus honnêtes, ceux qui veulent faire bien vivre leur métier, leur famille, et qui sont sans arrêt l'objet de mépris, de discrimination ou d'indifférence de la part des dirigeants. Et est-ce que vous pensez que le consumérisme et le matérialisme plus généralement n'a pas beaucoup aussi impacté la croyance des individus, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à adorer le veau d'or de nouveau, à plus penser à la consommation, à la jouissance, à une forme d'hédonisme aussi? Est-ce que vous pensez que le néolibéralisme a joué un rôle aussi dans le processus de désacralisation? Ah bah clairement, clairement. Non seulement je pense que l'hédonisme, etc., et le néolibéralisme ont joué un rôle dans le processus de désacralisation, mais je pense même que dans l'esprit de certains penseurs, de certains philosophes antérieurs à ces mouvements, eh bien, ça a été pensé pour détruire le christianisme. C'est absolument évident. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on essaie de nous faire croire, et nous sommes tous victimes de ces croyances, que ce qui est le plus important, c'est de posséder des biens, de jouir de la vie, de posséder des plaisirs, et que si jamais vous n'êtes pas, et que le bonheur se réduit justement au plaisir. Et ce qui est dramatique finalement, parce que
Il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument aucun plaisir de cet ordre-là dans leur vie. Et alors que lorsqu'on est chrétien, et même plus largement que chrétien, il y a beaucoup de philosophie de l'Antiquité. Vous avez commencé l'émission avec un portrait de Socrate lorsqu'on parlait de la mort du philosophe. Mais si on lit Socrate, Platon, Aristote, eh bien, il y a tout un courant de la philosophie antique qui nous enseigne justement que le véritable bonheur, le plaisir véritable ne se situe pas dans le plaisir du corps, c'est-à-dire dans la possession ou dans les plaisirs sensibles, mais dans la richesse intellectuelle, la richesse que ce soit de l'intelligence, donc la connaissance, la sagesse, ou que ce soit la volonté, c'est-à-dire la capacité d'aimer et de même se donner pour quelque chose de supérieur. Et donc l'homme moderne ne sait plus être heureux. L'homme moderne ne sait plus être heureux. Et pourquoi? Parce qu'on est rentré dans cette espèce de fuite en avant, une recherche sans cesse plus accélérée de plaisir sans fin. Alors, c'est vrai avec le néolibéralisme et avec la société de consommation, mais avec la société technologique dans laquelle nous sommes déjà entrés depuis un certain temps, c'est encore pire. C'est-à-dire que il n'y a qu'à voir notre usage des réseaux sociaux notre accès à Internet, etc., où on veut, et surtout les générations les plus jeunes, on pense que tout nous éduque immédiatement parce que tout doit être accessible sans aucun effort par un, trois clics sur un écran. Et cette mentalité, si vous voulez, du plaisir immédiat sans effort, c'est la mentalité de la machine à sous. C'est-à-dire que on pense que plus on va avancer, plus on a de chances de tomber sur ce qui va enfin nous satisfaire. Vous savez, c'est celui qui scrolle sur Instagram, sur Facebook ou sur les vidéos YouTube, qui passe d'une vidéo à une autre pendant des heures et qui se termine à 3 heures du matin à regarder des crocodiles qui mangent des lions, sans avoir à aucun moment été satisfait intellectuellement. Et si on veut aller plus loin, c'est même la mentalité de la pornographie. C'est-à-dire que la pornographie, c'est exactement ça, c'est rechercher de façon virtuelle un plaisir que l'on n'atteint jamais, puisque précisément le plaisir sexuel, il n'est pas fait pour être virtuel, mais il est fait pour s'accomplir dans quelque chose de supérieur au propre plaisir personnel. Il est fait pour s'accomplir dans le plaisir mutuel légitime du couple et de la famille en vue de la procréation. Donc, si vous voulez, on vit dans ce monde d'une espèce de fuite en avant sans aucune limite. Et vous voyez, dans le monde chrétien, dans l'esprit chrétien, l'homme est fait pour l'infini. Et tous les actes que nous posons, eh bien, visent à nous faire avancer progressivement, petit à petit, vers ce bonheur infini auquel nous sommes appelés. Dans la mentalité technologique actuelle, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est le désir lui-même qui est devenu infini. Et donc, il fait que, comme quelque chose d'infini, il n'est jamais traversé, il n'est jamais achevé. Et donc, en fait, ce désir, parce qu'il est par sa nature même infini, eh bien, il ne comble jamais notre aspiration. Et voilà pourquoi l'homme moderne est tout à fait désespéré. Ils sont dans la dépression. Un philosophe. Il parle de société de la dépression, société de la fatigue, parce que nous sommes engagés dans ces plaisirs, dans cette recherche infinie d'un plaisir qui ne nous satisfera jamais. Et vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans des questions fondamentales sur l'humanité. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à poser cette question. Évidemment, où suis-je? Qui suis-je? Et vers quoi est-ce que je me dirige? Qu'est-ce qui va satisfaire mes aspirations les plus profondes. Et évidemment, c'est mon rôle de prêtre de répondre que la seule chose qui peut nous satisfaire véritablement, eh bien, ce sont les biens spirituels. Ce sont les biens spirituels, c'est-à-dire Dieu et les biens que Dieu nous donne par Jésus-Christ, par la religion, etc., et qui existent déjà dans cette vie, mais qui sont appelés à s'appeler, à s'accomplir, à se perfectionner dans l'éternité, dans la vie qui nous attend après la mort. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je sais que
que vous êtes aussi un lecteur de Christopher Lasch, que j'affiche à l'écran dans La culture du narcissisme, qui a très bien montré que, à partir des années 60-70, alors lui, il analyse la société américaine, mais vu que nous sommes complètement américanisés, on peut suivre le processus jusque dans le cas de la France, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cette société de consommation qui s'est mise en marche, il y a eu une grosse difficulté pour maintenir la famille, d'une part, parce que la famille a été largement impactée, mais aussi le rendez-vous dominical. Et un autre auteur qui le dit très bien, même si ce n'est pas un véritable ami de l'Église, mais c'est Pasolini, dans Les Écrits corsaires, qui explique que il y a eu. Les classes populaires se sont détournées petit à petit de la religion, car elles ont voulu consommer comme des bourgeois. Elles ont voulu travailler le plus possible pour essayer d'accéder à un mode de vie qui était artificiellement accessible. Et à côté de ça, il n'y avait plus une église clairement populaire dans l'Italie profonde, parce que lui, c'était dans le cadre de l'Italie, mais cette église qui était ancrée dans un territoire. Et ça, je crois qu'on est tous les deux d'accord sur cette question-là, que le néolibéralisme et la société de consommation en général est devenu, et d'ailleurs je dirais même que la consommation est encore plus aujourd'hui avec Internet, sont devenus les nouveaux veaux d'or de la plupart des individus. Et ce qui est terrible, c'est que, vous l'expliquiez très bien avec le porno, c'est que ces individus-là qui se plongent dans ce type de consommation courent après un bonheur qui est illusoire ou du moins extrêmement court. C'est un bonheur qui est lié à de l'hédonisme pur. L'hédonisme, c'était Jordan Peterson qui en parlait il y a quelques jours, c'est la volonté de sacrifier le futur pour l'instant présent. Et on retrouve ça aujourd'hui dans la consommation de porno, dans la consommation diverse de vêtements rapides. Je pense à ce qu'on appelle, et désolé pour l'anglicisme, mais la fast fashion. On achète du vêtement, on le met, on le tire, on le porte 2 jours et puis on le jette. Mais ça, c'est un phénomène de consommation que l'on retrouve dans des tas de secteurs différents. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, les gens ont remplacé le culte, le dogme, par la consommation rapide et surtout de basse qualité. Car aujourd'hui, en plus de la volonté de jouissance, il y a un refus catégorique de l'apprentissage, de la volonté de se cultiver, etc. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur cette question-là. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet, si vous voulez bien, ou à moins que vous souhaitiez rebondir peut-être sur ce que j'ai dit précédemment, comme vous voulez. Non, non, je trouve que vous avez très bien résumé la chose et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez cité Christopher Lasch et Pasolini, évidemment, qui sont un peu, comment dire, un peu sulfureux, l'un et l'autre, mais finalement qui touchent du doigt des choses très très importantes. Et je pense que justement, ils ont vécu de façon personnelle bien avant nous, finalement, cette espèce de contradiction intime qu'ils voyaient naître dans le christianisme et dans l'évolution, en tout cas moderne, de la foi catholique. Et je voulais ajouter simplement, parce que vous avez mentionné Christopher Lasch, donc je voudrais mentionner aussi un auteur qui est un spécialiste de Christopher Lasch, qui s'appelle Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe français vivant actuellement, mais qui ajoute un aspect, il me semble, tout à fait passionnant. Je suis un grand lecteur de Jean-Claude Michéa. L'un des aspects des théories qu'il défend, c'est de montrer finalement que aussi bien la droite néolibérale, qui est passionné par le profit individuel, etc., que la gauche libertaire, qui est passionnée par la liberté humaine, la fuite des valeurs morales, etc., dont on parlait tout à l'heure avec l'euthanasie en particulier, eh bien, ne sont que deux aspects du même phénomène, que deux aspects, comme les deux faces de la même pièce, à savoir cette mentalité libérale-libertaire, comme il dit, dans laquelle l'homme place sa liberté comme la valeur principale qui est prête non seulement à prendre le dessus sur les autres, mais qui est prête à détruire toutes les autres valeurs. Et moi, je vois ça comme
comme théologien, si vous voulez, je vois ça comme une image du péché originel et du péché même de Lucifer, à savoir l'homme qui veut se faire Dieu, l'homme qui veut se faire l'égal de Dieu et qui veut placer sa propre liberté comme le critère unique, le critère ultime de toute réflexion, quel qu'en soit le prix. Et on parlait tout à l'heure de l'euthanasie, finalement, et vous venez de mentionner cette culture du jetable, de la mode jetable, de tout ce qui est de la consommation immédiate et du plaisir comme la pornographie immédiat, facile, sans effort, et qu'on jette et qui ne nous satisfait jamais. Eh bien, de la même façon, on peut dire que c'est toute l'humanité qui vit aujourd'hui dans cette mentalité, cette mentalité du jetable et du plaisir jamais satisfaisant, jusqu'au point de jeter l'homme lui-même et de considérer que l'humanité elle-même, que notre humanité est jetable. Et finalement, on en revient à la question de l'euthanasie. Et c'est exactement ça. C'est finalement, bah, si ça ne marche plus, on n'a qu'à le balancer et puis c'est tout. Ah, je souscris complètement. En réalité, il y a eu un phénomène qui est extrêmement intéressant, qui a d'abord pris place aux États-Unis, mais on l'a vu ensuite en France avec mai 68. C'est que la gauche libertaire des années 68, qu'elle soit en France ou aux États-Unis, il est interdit d'interdire. Jouissons sans entrave, avec en parallèle, en toile de fond, le mouvement hippie Woodstock. Et en réalité, ce qui a été assez fascinant, c'est qu'à partir des années 70-80, ces mêmes individus-là sont devenus les meilleurs artisans du néolibéralisme. Je vais donner quelques exemples. Vous prenez un homme comme Steve Jobs, qui était au départ un hippie convaincu, qui est devenu ensuite multimilliardaire. Vous prenez ensuite un autre exemple qui est Charles Branson, l'ancien patron de Virgin, pour ceux qui ont connu les magasins Virgin Megastore, on achetait des CD, etc. Tout le monde n'a pas connu ça, mais ça existait il y a encore quelques années, qui était exactement dans cette mouvance. C'est-à-dire qu'en fait, le dénominateur commun entre le hippie jouisseur qui va fumer sa beuh et l'homme en costume qui appartient au mode de Wall Street, c'est que les deux veulent jouir sans entrave. Et c'est pour ça que ce sont les meilleurs alliés. Il y a une série que j'aime particulièrement qui s'appelle Mad Men, où on voit le monde de la publicité dans les années 60, 70, 80. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point, à un moment donné, le mouvement hippie a été utilisé afin de vendre des produits. Il y a une pub de Coca-Cola qui est très parlante sur ça, où l'on voit plein d'individus qui viennent de communautés différentes. Donc, on a des Blancs, des Asiatiques, des Afro-Américains. Tous sont déguisés en hippies et ils tiennent dans leurs mains une bouteille de Coca-Cola en disant, voilà, c'est le monde merveilleux que nous propose Coca-Cola, c'est la paix et l'amour. Et c'est fascinant de voir à quel point ces deux univers, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas diamétralement opposés, mais sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que je valide entièrement beaucoup de conclusions de Jean-Claude Michéa et forcément de Christopher Lasch, qui sont deux auteurs qu'il faut lire absolument pour mieux comprendre notre époque. Et on est, appliquer exactement ce que vous venez de dire, cette publicité de Coca-Cola, c'est un excellent exemple. Appliquez-le au féminisme, par exemple, aujourd'hui, ou appliquez-le à l'écologisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est complètement publicitaire et complètement démagogique, aussi bien du féminisme que de l'écologisme, et même aussi de l'accueil des migrants, etc. Enfin, toutes ces mentalités qui sont très, très à la mode aujourd'hui, qui finalement, si on réfléchit, ne font que, au final, servir des intérêts économiques des grandes puissances. Avec l'immigration, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire venir des migrants qui sont très peu exigeants sur les salaires, sur leur qualité de vie, etc., c'est un bien. D'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations de grands patrons qui se sont dit tout à fait favorables à l'accueil de migrants par milliers ou par millions, parce que c'était l'intérêt de leurs entreprises. De la même façon, l'écologisme ou la soi-disant le soin de la planète, n'importe quelle personne un tout petit peu honnête se rend compte que on nous sert ça à toutes les sauces, simplement pour nous imposer des nouveaux modes de consommation qui enrichissent des nouveaux patrons.
Vous savez, moi, je suis un peu ancien par rapport peut-être à ceux qui nous écoutent, mais moi je me souviens qu'on nous a bassiné pendant des années pour nous dire que le diesel c'était mieux que l'essence, que c'était plus écologique, qu'il fallait absolument consommer du diesel, etc. Et le diesel était moins cher que l'essence parce qu'il y avait des aides gouvernementales, etc. pour le bien de la planète. Aujourd'hui, c'est passé où le bien de la planète? Si c'est... Soit ils se sont trompés, il faut dire, attendez, c'était faux et on vous rembourse tout ce qu'on vous a obligé de dépenser parce que les voitures diesel coûtaient beaucoup plus cher, évidemment. Je donne juste une toute petite anecdote. Parce que moi, je voyage pas mal, donc je vais souvent dans des hôtels, etc. Et alors, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est dans les hôtels, ceux qui voyagent comprendront exactement ce que je veux dire, c'est que souvent dans les salles de bain, vous avez une petite affiche qui vous dit « Pour le bien de la planète, évitons de faire trop de lessive et donc nous ne laverons les serviettes que si vous les mettez par terre ou dans la baignoire ou je ne sais pas quoi. » Mais c'est foutage de gueule, enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est simplement qu'ils veulent dépenser moins d'argent dans le nettoyage des serviettes, etc. Tant mieux, enfin, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Mais faire passer ça pour un souci planétaire et un souci écologique, c'est vraiment se moquer du monde. Et finalement, quand on analyse tout ce qu'on nous raconte sans arrêt sur le bien de la planète, etc., à la fin, ça revient toujours exactement à la même chose, c'est-à-dire finalement à l'intérêt de certains qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ces espèces de soi-disant évolutions écologiques. Oui, totalement. Et puis, j'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le wokisme est devenu une véritable religion. On parle aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 octobre, il y a eu cet après-midi un tableau de Van Gogh qui a été aspergé de soupe de tomates par deux militants écolos. Donc, on voit que, en fait, la nature a horreur du vide. Il y a eu un recul, une désacralisation, plutôt un désenchantement du monde weberien qui fait qu'il y a eu un recul de la pratique de la religion catholique, mais forcément la nature ayant horreur du vide, le wokisme et la plupart des thématiques que vous avez citées juste avant ont remplacé le dogme chez la plupart des gens. Or, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de grande réponse parce que ce qui anime profondément ce type de mouvement, c'est à la fois le nihilisme et le ressentiment. Donc, les gens qui embrassent le wokisme ne trouveront que la désolation au bout, ils ne trouveront pas de grandes réponses à des grands questionnements que l'on peut avoir. Et surtout, le but dans tout ça, c'est de créer des super consommateurs. Parce qu'à partir du moment où on détruit le croyant étant l'inverse du consommateur, car au final, le croyant a besoin que peu de choses. Vous en êtes la preuve, un abbé n'a pas besoin d'être dans la consommation ostentatoire, il n'est pas dans cette idée de consommation outrancière. Donc, le narcisse, le moi suprême, est en réalité le meilleur consommateur car il place lui avant les autres et c'est moi je veux ci, moi je veux ça, moi j'achète ça, je n'existe que par l'achat compulsif. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée que le wokisme a remplacé en quelque sorte la religion, même si c'est une religion, bien entendu, ça ne mérite même pas ce terme d'ailleurs. C'est un nouveau dogme pour ceux qui sont perdus profondément aujourd'hui. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous dites ça très très bien. Vous avez dit cette phrase que le religieux, c'est l'exact inverse du consommateur. Le moine, alors bon, les prêtres comme moi, séculiers, on vit dans le monde, etc. Donc on a quand même une façon de vivre qui n'est pas complètement détaché du monde, mais le religieux ou la religieuse, c'est vraiment celui ou celle qui n'a rien à faire, ni de la consommation, ni des modes passagères, ni de ce qui se raconte dans les médias, etc. Et donc, vous voyez, comme aussi bien autrefois, à l'époque de nos... Il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque de nos grands-parents, c'était les religieux qui étaient les guides spirituels de toute la société. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus les guides spirituels, en tout cas ceux qui ont une audience dans le monde, ce sont les footballeurs, les youtubeuses et ce genre de personnages qui sont des purs produits de la consommation poussée à l'extrême, la pure consommation et le règne de l'argent, du plaisir immédiat, etc. Et donc, je pense qu'il est temps de vraiment de dire non, de dire stop à toute cette mentalité,
Alors, il ne s'agit pas de devenir tous religieux, d'aller vivre dans des grottes comme des ermites, mais il est temps de dire nous ne voulons pas de votre modèle de vie. Et donc de couper sa télé, de couper les réseaux sociaux, etc. En tout cas, de ne les utiliser que pour le bien et pour se former pour des choses plus élevées. Mais j'appelle tous les jeunes. Il faut qu'il y ait un grand mouvement de jeunesse qui se lève aujourd'hui en disant nous ne voulons pas de votre modèle de société qui sous prétexte en plus d'être humaniste rien d'autre que nous réduire à l'état de simples consommateurs. Nous sommes faits pour bien mieux que ça. Nous sommes faits pour la vie intellectuelle, nous sommes faits pour les choses élevées, pour les choses spirituelles, pour la sagesse. Et pour atteindre cette sagesse, justement, il nous faut nous détacher du monde et de cette espèce d'absolutisation de la consommation et du plaisir. Et donc, il faut retrouver le sens de l'effort, le sens du mérite, le sens du long terme, le sens du fait qu'il faut prendre du temps pour réussir à faire les choses, le sens des valeurs spirituelles, le sens justement des ritualités, des choses qui nous sont transmises, le sens de la transmission, de l'héritage, de l'identité, etc. Et c'est urgent parce que, en fait, ce sont, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, ce sont finalement deux religions qui s'opposent. Et on arrive à une espèce de radicalité du choix. Le moyen terme bourgeois dans lequel, par exemple, les chrétiens s'identifiaient depuis plusieurs décennies, eh bien, désormais, est fini. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas une bourgeoisie. Le christianisme n'est pas un état tranquille dans lequel on n'est pas embêté par ses voisins ou par des problèmes. Le christianisme appelle une certaine radicalité. Une radicalité, justement, non pas de la violence, etc., comme le feraient d'autres religions, comme l'islam, mais le christianisme appelle une radicalité du choix de vie que je veux pour moi-même, que je veux pour ma famille, pour mes enfants, pour mon pays, pour mon village, etc. Et cette radicalité, je pense que c'est exactement celle que vous venez d'exprimer, à savoir de rejeter le veau d'or de la consommation et du plaisir immédiat. Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette question. C'était passionnant d'ailleurs. Hein. Merci, monsieur l'abbé. On va passer à un autre sujet parce qu'il y a encore deux sujets à traiter d'actualité qu'on va passer rapidement parce que d'ailleurs, ce n'est pas les plus lourds, les plus passionnants. Il y a une émission qui a vu le jour ces dernières semaines sur la chaîne CNews que je pense la plupart des abonnés de Livre Noir connaissent. Il s'agit de Enquête d'esprit. Qui est présenté par un certain Aymeric Pourbet, que je ne connais pas pour le coup, peut-être que c'est votre cas, monsieur l'abbé. Et cette émission donc, traite de questions religieuses, donc en lien bien entendu avec le catholicisme. Et eh bien, il y a eu des vives réactions par rapport à la première de cette émission, puisque un certain nombre de journalistes, orientés principalement à gauche, n'ont pas compris le fait qu'il puisse y avoir sur une chaîne privée une émission religieuse. Alors, je vais vous afficher à l'écran un tweet de cette dame que je ne connais pas, hein, je tiens à le préciser. Donc, je viens de regarder l'émission en entier. Je confirme qu'ils sont extrêmement sérieux et que ce n'est pas une parodie. Les journalistes et invités répondent à des questions comme mal, la victoire de Dieu est-elle certaine? Ou encore, y a-t-il une guerre civile au paradis? Est-ce que, pour vous, pourquoi leur réaction est-elle aussi excessive? Pourquoi il y a ce manque de compréhension et de respect aussi par rapport à la religion? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, qui n'en est pas réellement une, mais du moins de la réaction de ces journalistes par rapport à cette émission? Je vous laisse la parole. Non, mais je pense que c'est génial, justement, comme réaction. Alors déjà, parce que l'émission Enquête d'esprit, moi j'ai rencontré déjà plusieurs reprises Aymeric Pourbet, qui est un catholique convaincu et un journaliste catholique convaincu et qui fait un excellent travail. Et cette émission existe depuis au moins un an, peut-être même 2 ans. En tout cas, ce n'est pas du tout une nouvelle émission de CNews. Donc en fait, c'est absolument superbe de voir les
journalistes de gauche s'exciter soudainement parce que on a parlé de d'anges et démons et de religion, c'est chercher à faire le buzz pour faire des problèmes. Ce que ça révèle pour moi, c'est finalement que ces gens qui n'arrêtent pas de nous parler de liberté, d'ouverture, de compréhension, de tolérance, sont les gens qui sont les plus intolérants et les plus incapables de comprendre qu'on puisse penser autrement qu'eux. Et pour moi, c'est simplement anecdotique, mais tout à fait symptomatique, si vous voulez, de ceux qui se prétendent, vous savez, c'est le cri des révolutionnaires, hein. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et donc, en fait, ceux qui n'arrêtent pas de parler de liberté sont ceux qui sont les premiers à condamner et les premiers à assassiner des chrétiens, à assassiner des prêtres, comme ça s'est passé pendant la Révolution, que ce soit dans les guerres de Vendée, que ce soit dans les massacres à Paris, que ce soit dans beaucoup d'autres endroits. Ce sont les premiers, ce sont ceux, les républicains, dont je parlais tout à l'heure en 1905, qui, sous prétexte de séparation de l'Église et de l'État, ont chassé les communautés religieuses, ont détruit le terreau catholique français, on les connaît bien, et donc ils ne font là que révéler leur haine du christianisme, parce que peut-être que malgré eux, ces gens réalisent ce qu'on a dit il y a quelques instants, à savoir que finalement, leur unique et leur seul opposant, le seul opposant à leur système de pure consommation et d'absolutisation de l'homme qui se croit Dieu, qui se croit maître de lui-même, de la nature, des autres et de la société, eh bien la seule force qui peut s'y opposer, eh bien c'est la foi catholique. Et donc j'appelle tous ceux qui ont été qui ont rigolé ou qui ont été peut-être même scandalisés par ce genre de réaction, à réfléchir, à se dire finalement, ces gens-là identifient très bien leur ennemi, leur unique ennemi, qui est l'Église catholique. Exactement, car au pire, ils pourraient être juste indifférents, ils pourraient trouver ça, de leur point de vue, ridicule et pas forcément polémiquer là-dessus, mais on sent que, de manière sous-jacente, il y a une véritable haine du catholicisme parce que, comme vous l'avez très bien exprimé, ils ont compris que c'était l'inverse complètement de leur mode de vie, de leur dogme, de leur pensée. On ne va pas plus polémiquer sur cette question-là, car ça ne mérite pas plus, mais je partais du principe que ça valait le coup. Il y a une autre actualité qui n'était pas prévue initialement dans l'émission, mais j'en profite. J'ai vu tout à l'heure que on peut la survoler aussi très rapidement, que le marché de Noël de Strasbourg cette année allait interdire la vente de crucifix. Votre réaction par rapport à cette interdiction qui est ridicule, mais j'aimerais la voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est-à-dire qu'ils ont, transformé le marché de Noël, qui au fond est une démarche profondément religieuse. Parce que la religion, c'est pas simplement d'aller à la messe de Noël. La religion, c'est d'aller à la messe de Noël, mais aussi de vivre dans l'esprit de Noël et donc d'avoir chez soi, d'organiser. Vous savez très bien comment font les chrétiens, c'est-à-dire qu'on met un sapin de Noël avec un sapin décoré, on met une crèche et puis il y a toute une préparation, une période de préparation, l'avant, etc. Donc le catholicisme n'est pas quelque chose de purement spirituel. C'est pas une religion dans laquelle on va juste le dimanche parce que pour faire ses actes spirituels. Le catholicisme, c'est quelque chose qui englobe la totalité de l'homme et de l'humanité. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est spirituel. C'est d'abord notre amour individuel, personnel envers Dieu qui compte. Mais cet amour, il se réalise dans des gestes, dans des actes et dans une civilisation. C'est toute l'histoire du christianisme depuis l'empereur Constantin au IVe siècle, ensuite avec Clovis, évidemment, qui se convertit au christianisme, et puis parler de Roland avec les Normands, etc. Et donc, c'est une civilisation, le christianisme. C'est l'accomplissement de ce que l'histoire humaine et la culture humaine a été capable de produire de meilleur. Voilà pourquoi les papes à Rome se revendiquent être les successeurs de l'empereur romain, parce que le christianisme ne vient pas détruire les civilisations antiques gréco-romaines, mais le christianisme vient parfaire ces civilisations en révélant, parce que soit révélé, parce que l'homme par lui-même n'est pas capable d'y accéder, mais en révélant
par le Christ et par l'Église, l'appel surnaturel dont on parlait tout à l'heure, à une vie après la vie, à une vie au-delà des capacités humaines. Donc, pour revenir au marché de Strasbourg, être chrétien, c'est non seulement vivre la spiritualité de Noël, mais c'est la réaliser dans sa vie par un attachement aux coutumes, aux traditions locales, là dans ce cas-là, strasbourgeoise du marché de Noël. Alors, les néolibéraux dont on parlait tout à l'heure ont transformé cette tradition du marché de Noël en un truc purement commercial dans lequel on vient acheter tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils arrivent à l'ultime étape de leur parcours, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le marché de Noël n'a plus aucun sens, puisqu'on y vend des tout et n'importe quoi. C'est devenu un espèce de centre commercial Disneyland, dans ce que ça a de plus dégradant pour l'homme. Et donc, ils prétendent mettre de l'ordre dans ce qui est acceptable dans le marché de Noël, mais ils n'ont plus les critères d'origine pour juger de ce qui a un lien avec Noël ou pas. Donc, si vous voulez, quand ce sont des écologistes qui, en général, sont des gauchistes anti-chrétiens qui interviennent là-dedans, c'est juste inintéressant et dramatique. Moi, je dirais, si vous voulez, les marchés de Noël, ce genre de marché de Noël, il faut les fuir comme parce qu'ils ont été dégénérés, déformés, dégradés depuis trop d'années. Donc, qu'ils fassent les lois qu'ils veulent sur le marché de Noël, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le chrétien qui veut trouver un véritable marché de Noël, il saura le trouver dans sa paroisse, dans avec des associations, etc. Et puis, il saura fêter Noël, non seulement intérieurement, mais aussi dans sa famille, dans sa maison, dans sa communauté, etc. Oui, totalement. C'est devenu une fête consumériste où ce qui compte, c'est de faire les cadeaux de Noël, de faire tout ça. Et puis, le message derrière a complètement été occulté. Donc, comme on disait tout à l'heure, il faut rejeter aussi bien l'aspect consumériste du marché de Noël que sa version gauchiste, wokiste, qui veut essayer d'insérer là-dedans des espèces de nouveaux critères moraux, une nouvelle morale qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne d'origine. Totalement. Je suis d'accord avec vous. On va passer au dernier sujet d'actualité et puis on passera à la FAQ car il y a eu une pléthore de questions. Ces dernières années, s'est développé via notamment l'application TikTok un certain nombre de vidéos en lien avec la foi catholique. Alors, il y a des vidéos que j'aime particulièrement, qui est celle du frère Paul Adrien, que je crois que vous connaissez sûrement. Oui. Il a également développé sa chaîne YouTube. Mais il y a également des prêtres qui ont énormément d'abonnés, celui dont on va parler a plus d'un million. Alors le but, c'est pas, je ne connais pas ce monsieur, donc je suis personne pour lui manquer de respect, mais on voit qu'il a une pratique du dogme qui n'est clairement pas la vôtre. Je vous propose une vidéo. Elle est extrêmement courte. Elle dure 5 secondes. Donc, accrochez-vous bien ceux qui nous regardent et on commentera ça ensuite ensemble. Donc voilà, il s'agit du père Mathieu, pardon. Je repasse la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, qui est très actif sur TikTok. Et là, on le voit dans une église faire en quelque sorte du mixage à cela jouer David Guetta. Donc, quelle est votre réaction par rapport au succès, parce qu'on peut parler de succès pour le coup, de ce type de prêtre, et quelle est votre réaction par rapport à celui-ci en particulier? Quel est votre avis? Ben écoutez, le rôle principal d'un prêtre, c'est de renouveler la présence, la figure et l'enseignement de Jésus-Christ dans le monde. C'est ce qu'est le rôle du prêtre. Donc, un bon prêtre, tous les prêtres ont leurs défauts, leurs faiblesses, etc. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie des prêtres, parce que les prêtres sont des hommes comme les autres. Mais au point de vue du sacerdoce, ce qui est le plus important pour un prêtre, c'est d'être fidèle à l'enseignement de l'Église.
et de transmettre une image de la foi catholique qui est conforme à ce que l'Église a toujours transmis. Donc moi, ce qui me gêne le plus avec le père Mathieu, j'ai réagi à plusieurs reprises sur Instagram, ça nous a valu quelques échanges assez sympathiques. Alors, j'ai jamais échangé directement avec lui, mais on me demande sans arrêt de réagir à ces vidéos, ce que je refuse de faire parce que ça ne m'intéresse pas dans des combats personnels, dans des luttes personnelles. Mais sur le fond du problème, je pense que ce pauvre père Mathieu, même s'il a un succès énorme sur TikTok, finalement, ce succès, il le gâche totalement. Il le fait tourner à son intérêt personnel avant de jouer son rôle de prêtre. Et donc, j'irai même plus loin. Je dirais que finalement, il utilise son identité sacerdotale, le fait qu'il soit prêtre, non pas pour jouer un rôle de prêtre, c'est-à-dire pour enseigner ce que l'Église enseigne, mais pour s'attirer vers lui-même l'affection, enfin le succès, disons, parce que je ne suis pas sûr de l'affection, enfin, pas parce qu'il y a un abonnement que ça fait un ami, mais le succès médiatique sur TikTok. Et donc, finalement, moi, je pense qu'il est très très malheureux, ce prêtre, parce que au fond, il n'est pas du tout dans son rôle, et il essaye de séduire avec des moyens qui ne sont pas ceux que le prêtre devrait utiliser. Et en cela, il est complètement infidèle à ce que le Christ a réalisé dans le monde. On en parlait tout à l'heure, le Christ, quand il a eu du succès, bien sûr, c'était tout à fait légitime, mais quand il n'a pas eu de succès, c'est parce qu'il est resté fidèle à ce qu'il venait nous révéler de son Père dans le monde. Donc, finalement, pour moi, c'est un énorme gâchis, et j'ai peur que ça se termine très très mal. Parce que un prêtre qui vit comme ça, qui a tout son succès, toute sa vie basée sur autre chose que ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un prêtre à l'image du Christ, eh bien au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de séparation trop radicale entre ce qu'il est intrinsèquement comme prêtre et ce qu'il donne à voir comme image, qui va faire qu'il ne va plus supporter cette contradiction. Donc et puis en plus, il fait du mal. Et moi, ce que je comprends pas, je veux dire, je ne doute pas de sa bonne volonté. C'est qu'il veut toucher les jeunes, etc. Je pense qu'il prend des mauvais moyens. Ce qui m'inquiète plus, c'est pourquoi son supérieur, à savoir l'évêque de son diocèse, n'intervient pas pour lui mettre des bornes et des limites. En particulier, il a fait plusieurs vidéos dans lesquels il a un discours qui est complètement l'opposé du discours de l'Église, en particulier sur l'homosexualité, où à plusieurs reprises il est revenu sur ce sujet alors que plusieurs, moi y compris, avions essayé de remettre les choses en place. Le frère Paul Adrien que vous avez mentionné avait fait toute une vidéo pour expliquer en quoi il n'était pas d'accord, et le père Mathieu a tourner en dérision le frère Paul Adrien. Si vous voulez, c'est un énorme gâchis, et je pense que c'est pas en jouant aux jeunes qu'un prêtre peut être convaincant sur les réseaux sociaux. C'est pas en panant les objets sacrés comme il le fait dans la vidéo qu'on vient de voir, puisqu'il fait du DJ là sur avec un calice, une patène et avec des ornements de sacerdotaux qu'on utilise pour la messe. Donc dans une église, au lieu du sacrifice, au lieu du sacré, ce n'est pas en utilisant, en désacralisant, en profanant qu'il va attirer qui que ce soit. Alors bien sûr, il a du succès parce qu'il est tout à fait paradoxal. Et qu'il joue de ce paradoxe, mais au fond, il va disparaître aussi vite qu'il est apparu, et ce sera juste une catastrophe supplémentaire, quoi. Donc moi, ça m'attriste pour lui, et ça m'attriste pour ceux qui le suivent. Maintenant, vous savez, la providence, le bon Dieu est très fort, hein. C'est-à-dire que sans doute, il y a beaucoup de gens qui n'auraient eu aucun accès à la foi catholique ou à un prêtre, qui auront été touchés par lui sur TikTok
Et j'espère que toutes ces personnes, eh bien, ça va être l'occasion pour elles de se poser la question véritablement de ce que c'est que la foi, ce que c'est qu'un prêtre, ce que c'est que Jésus-Christ, ce que c'est que la messe. Votre micro est éteint. Merci beaucoup, c'est la deuxième fois. Merci. Je suis d'accord avec vous et je rajouterai une chose, c'est que pour moi, les prêtres de ce type, alors moi je le rappelle, hein, je n'ai rien contre ce monsieur, hein, je ne le connais pas, je l'ai connu en préparant cette émission et je sais qu'il fait débat dans votre milieu, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais surtout pour moi, il ne faut pas rentrer dans un piège qui est le suivant, c'est-à-dire pour attirer des nouveaux jeunes, pour attirer des nouveaux croyants, il faut créer une sorte de catholicisme allégé. Je pense que c'est une erreur parce que c'est pas le but. Soit les gens qui veulent véritablement s'intéresser au catholicisme vont le faire avec toute la complexité de ce dogme et tout ce qu'il représente vraiment, au lieu de le faire dans une version dévoyée qui n'est pas vraiment représentative du culte lui-même. Donc je crois que c'est une erreur qui ne mènera à pas grand-chose. Je pense qu'il attire un certain nombre de personnes, notamment des personnes laïques qui le voient dans un sens, excusez-moi l'expression, mais pour eux c'est le mythe du bon petit prêtre. Voilà, c'est le bon petit prêtre qui n'est pas trop radical, qui accepte certaines idées qui aujourd'hui sont admises par la bien-pensance et par la République. Et donc, par conséquent, c'est pour ça aussi qu'il trouve un certain succès. J'ai vu qu'il avait édité chez Flammarion, etc. C'est parce que, justement, il a ce discours qui est extrêmement allégé qu'il touche un plus grand nombre. Or, est-ce que c'est véritablement intéressant de toucher un grand nombre pour qu'au final, il n'y ait que peu de personnes qui, ensuite, franchissent le pas d'aller à la messe, de pratiquer le carême ou ce genre de choses. Moi, je pense que c'est une erreur. Après, comme vous l'avez dit, il y a toujours un retour du réel à un moment donné. Et je ne souhaite aucun malheur à ce monsieur, bien entendu, c'est évident. Mais voilà, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il se trompe de chemin et que ça ne mènera pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il se fait connaître en tant qu'influenceur catholique. Mais est-ce que derrière, il a un vrai impact dans le catholicisme français? Je parle d'un impact positif qui mène des jeunes à se convertir et éventuellement s'intéresser à ce dogme profondément, et pas juste s'y intéresser le temps d'une vidéo TikTok. Là, j'ai des doutes. Donc, après les débats... Surtout, vous avez mentionné qu'il a été invité par Christophe de Chavannes dans cette nouvelle émission là sur... je crois que c'était France 2, ou enfin, sur une chaîne grand public en tout cas, il est invité dans tous les médias, etc. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, les médias mainstream sont très heureux de trouver un prêtre qui va dans leur sens. Et en fait, ils disent, mais c'est super, en fait, on a trouvé un prêtre qui est pour l'homosexualité, qui est pour qui n'est pas contre l'avortement, puisqu'il a fait une vidéo sur cette question aussi, qui dit qu'en fait toutes les religions se valent, parce que on a découvert, dit-il dans une de ses vidéos depuis Vatican II, que en fait toutes les religions sont des chemins qui mènent jusqu'à Dieu. Si vous voulez, ça c'est pas du tout la foi catholique, ça n'a rien à voir. Et donc le fait qu'ils soient invités dans tous les médias, que Flammarion l'ait dit, etc., pour moi c'est très symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait ces gens qui sont fondamentalement contre la foi catholique sont très heureux de trouver un prêtre qui dit exactement le contraire de ce que dit l'Église. Donc, voilà, il joue un rôle tellement ambigu que je ne vois pas où il va aller et ce que ça va donner. Et j'espère que, voilà, il va pouvoir prendre du recul sur ce qu'il fait, sur le mal qu'il fait, puisqu'il enseigne des choses qui sont fausses. Et je lui souhaite de se convertir et de revenir au cœur de ce qu'est la mission du prêtre à l'image de Jésus-Christ dans le monde. Oui, tout à fait, il a un rôle, alors pardonnez-moi l'expression parce que le terme est un peu dur, mais il a un rôle d'idiot utile en somme. Il a le rôle de celui qui sert un discours qui va dans le sens d'une certaine doxa, alors qu'habituellement, cette même doxa méprise des gens qui sont issus de son milieu. Je trouve que c'est triste. On va passer à la partie fort aux questions. J'en ai noté un certain nombre. Alors désolé, je sors le téléphone
Non pas que je ne vous écoute pas, bien au contraire, hein, mais c'est pour lire les questions. Il y en a beaucoup, donc on va essayer de faire assez vite. Une question qui est revenue systématiquement, c'est est-ce que pour vous, Vatican II est à l'origine de la décadence de l'Église catholique? C'est un terme qui est revenu à de multiples reprises dans mes questions, c'est pour ça que je l'emploie. Donc, est-ce que Vatican II est à l'origine de la décadence du catholicisme aujourd'hui en France et même ailleurs? Ma réponse est très simple, la réponse est non. C'est-à-dire que je ne pense pas que Vatican II soit à l'origine du problème de la décadence, de la disparition du christianisme dans l'espace social, dans l'espace public, et dans la pratique des chrétiens. Vatican II, évidemment, c'est un concile très important, puisque c'est tous les évêques du monde qui se réunissent autour du pape. Effectivement, je pense que Vatican II est problématique dans un certain nombre de textes. Mais non pas parce que Vatican II aurait créé le problème, mais parce que Vatican II se trouve, donc Vatican II, ça commence en 62, ça finit en 65, donc on est vraiment au cœur, si vous voulez, de l'évolution de la société des années 60 au milieu du XXe siècle. Donc le problème préexiste, le problème existe bien avant Vatican II. Donc ce n'est pas le Concile Vatican II qui aurait créé le problème. Ce que je pense, c'est que, malheureusement, le Concile Vatican II, qui voulait affronter le problème de la modernité dans l'Église et de cette confrontation entre la modernité et l'Église, n'a pas su donner les réponses satisfaisantes. Donc, je pense que le Concile Vatican II, finalement, a été un peu un genre de catalyseur ou de révélateur d'un problème bien plus grand, bien plus long, qui date de la Révolution française, qui date de la modernité, etc. Quand, les racines déjà au Moyen Âge. Donc, si vous voulez, c'est trop simpliste. Il y a un certain nombre de traditionnalistes. Moi, je suis traditionnaliste, hein, je le revendique tout à fait. Mais il y a un certain nombre de traditionnalistes qui disent oui, le problème, c'est le Concile Vatican II. Il faut rejeter le Concile Vatican II. Pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'on ne rejette pas un événement historique. Ça n'a pas de sens. Maintenant qu'on ait une discussion théologique sur tel ou tel texte, telle ou telle formulation, et surtout telle ou telle interprétation qui a été donnée des formulations, ça c'est indispensable. Et ceux qui font de Vatican II, du Concile Vatican II, un dogme absolu en disant l'Église désormais est nouvelle, et désormais l'Église a changé, eh bien, c'est eux qui ne sont pas fidèles à la foi catholique. Je parlais du Père, enfin, nous parlions du Père Mathieu tout à l'heure, et je citais cette phrase qu'il dit dans une de ses vidéos. Alors, vous me direz, bon, il n'est pas théologien, etc. Mais pour moi, c'est très symptomatique. Dans une vidéo, il dit, au Concile Vatican II, nous avons découvert que le catholicisme n'était pas l'unique chemin pour aller à Dieu, mais que finalement, toute religion menait à Dieu. Ce qui est important, ce qui était important, c'était l'honnêteté et la sincérité du cœur. Je paraphrase, c'est à peu près ça qu'il dit. Et dans ce sens-là, oui, on peut dire que, si certains peuvent donner du Concile Vatican II une telle interprétation, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté dans les textes du Concile, en tout cas une certaine inefficacité de ce qu'a voulu être le Concile Vatican II. Donc, vous voyez, il faut avoir une position intelligente, je pense, enfin, médiane. Le problème n'est pas le Concile Vatican II, le problème est bien plus large que ça. Mais il faut que dans l'Église, eh bien, capable de reconnaître que le Concile Vatican II, en cherchant à donner une solution à ce problème, n'a pas été convaincant, n'a pas été efficace, et même a sans doute accéléré ou donné mis de l'eau au moulin, justement, de cette fuite en avant du monde moderne, alors que l'Église aurait dû être, comme je le disais tout à l'heure, un bastion, une tour, un roc inébranlable qui aurait dû rester ferme là où toute l'humanité se délite et part vers une espèce de forme de décadence néolibérale dont nous avons largement parlé déjà. Alors, autre question qui revient assez souvent, quel est votre avis sur l'actuel pape? Alors, mon avis sur le pape est très clair. C'est que le pape, c'est le principe d'unité de l'Église catholique. La force de l'Église et la génialité de cette fondation qui ne peut être que divine, c'est que tout repose sur l'autorité d'un seul.
Donc, dans l'Église catholique, le pape est absolument nécessaire, indispensable, et on ne peut pas faire l'impasse sur le pape. Donc, le pape François, pour moi, que les choses soient absolument claires, c'est le pape, le successeur de Saint-Pierre, c'est la tête de l'Église catholique, etc. Ça n'empêche qu'on peut avoir un regard critique envers un certain nombre de décisions, de prises de position, de discours que le pape a fait, surtout qu'on vit dans un monde, vous le savez très bien, dans lequel la moindre parole dite dans un avion en réponse à des journalistes devient une espèce de dogme de foi, comme si c'était toute l'Église qui devait changer au rythme des humeurs du pape. Et ça, je pense que c'est assez malsain, justement, cette surprésence médiatique du pape. Mais que les choses soient très claires, c'est-à-dire que moi, je considère que le pape est le pape, qu'on ne peut pas remettre en cause son autorité, maintenant qu'il faut considérer son autorité selon les degrés, ce qu'on appelle les degrés de magistère en théologie, hein, c'est tout à fait formalisé, c'est une doctrine tout à fait traditionnelle, à savoir que le pape n'est pas infaillible dans tout ce qu'il dit. Lorsque le pape François dit qu'il faut mieux construire des ponts plutôt que construire des murs, ça veut dire quoi? C'est que tout le monde doit se mettre à. Si c'était infaillible, ça veut dire que tout le monde doit se mettre à faire des. Et que les gens qui construisent des murs deviennent des hérétiques. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, le pape n'a d'autorité. L'infaillibilité du pape, c'est quelque chose de très exceptionnel, qui n'a été mise en œuvre au XXe siècle, enfin dans les 150 dernières années, que deux fois. En 1950, lorsque Pie XII déclare le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, et la fois précédente, c'est en 1853, donc il y a 150 ans, ou plus que ça, lorsque le pape Pie IX déclare le dogme de l'Immaculée Conception. Voilà, depuis, il n'y a aucun texte des papes qui ait été infaillible. Alors, c'est un peu disputé parce que le texte de Jean-Paul II, justement, sur l'impossibilité d'ordonner les femmes, vu les termes qu'il emploie, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le pape n'est infaillible que lorsqu'il a la volonté d'obliger en disant celui qui ne croit pas cela n'est pas catholique. Voilà. Le pape François n'a jamais employé ce genre de phrase, n'a jamais voulu obliger quoi que ce soit. Donc, il faut respecter sa parole, essayer d'interpréter, essayer de comprendre ce qu'il veut dire, mais lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Je pense que, par exemple, sur la question de l'immigration, eh bien, il a une vision qui est très sud-américaine, très dépendante de politiques qui ne sont pas du tout les problématiques européennes et qui ne voit pas du tout les dangers culturels, civilisationnels qui menacent la France chrétienne aujourd'hui. Donc, sur ces questions-là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui et je suis pourtant tout à fait catholique. Et voilà, si mon père dit des choses fausses, je peux ne pas être d'accord avec lui, je peux lui dire qu'il dit des choses fausses, pourtant ça reste mon père, et je dois toujours, je lui dois toujours le respect, la révérence qu'un fils doit à son père. Voilà. Donc, par rapport au pape, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que il est très important, il est indispensable de vénérer, de soutenir sa charge, sa personne, ce qu'il représente, sa responsabilité dans l'Église, mais ça n'empêche que, ben, sur un certain nombre de points. Et je pense qu'il serait très d'accord avec moi, d'ailleurs, que bah, si on n'est pas d'accord, ben, on peut le dire tout simplement dans une grande liberté, parce que la foi chrétienne n'est pas une dictature. Très bien. Autre question. Quelles sont les petites actions concrètes de tous les jours pour rester droit et chrétien dans un monde qui ne l'est plus? Alors, on passe d'un sujet à l'autre, là, c'est le problème des questions comme ça. Quelles sont les petites actions concrètes pour rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus? Bah, je dirais, écoutez, premièrement, la prière. Nos contemporains, ceux qui sont engagés dans le consumérisme et la recherche de plaisir sans fin, dont on a parlé longuement, bien, ce qui leur manque finalement, c'est de se tourner vers Dieu, de se tourner vers l'absolu, d'être capable de se dire, en fait, je suis fait pour quelque chose de plus grand. Et donc, savoir prier, c'est une forme de résistance qui est une force incroyable.
Et puis ensuite, concrètement, eh bien, bah, vivre sa religion avec fierté. Je n'arrête pas de dire ça sur les réseaux sociaux. La messe du dimanche, c'est une obligation. Et c'est comme ça que l'on participe à la civilisation ou la recivilisation de la France. Donc, si on vous invite à une soirée le samedi soir, vous dites très bien, mais vous prévoyez d'aller le dimanche matin à la messe. Si vous avez un tournoi de foot ou un tournoi de rugby, eh bien, vous réfléchissez à l'avance pour dire, bien sûr, j'y vais, mais à condition que je puisse aller à ma messe du dimanche. Ouais. Et vous en témoignez devant les autres. Et vous dites aux autres, bah, je suis désolé, je ne peux pas aller à cette soirée, je ne peux pas aller à cet anniversaire, je ne peux pas aller à ce match de foot ou de rugby, parce que pour moi, la messe, c'est le plus important. Et ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le témoignage de la foi. Témoignage, ça ne consiste pas à se lever au milieu de la cantine en disant convertissez-vous ou alors vous irez tous en enfer. Ça, là, on va juste vous prendre pour un fou. Mais voilà, et puis concrètement, par exemple, j'étais la semaine dernière avec l'association SOS Calvaire. Ça, c'est une excellente association qui fait des choses très concrètes. Il y a des antennes partout maintenant en France, de plus en plus, quasiment dans tous les départements. Aller nettoyer un calvaire, rénover un calvaire à droite, à gauche, dans les campagnes, etc. Ça, ce sont des gestes concrets, pratiques, simples, que n'importe qui peut réaliser, tout seul ou à deux ou à trois. Et c'est comme ça qu'on remet la croix au centre du village, on remet l'église au centre du village. Et donc, voilà un excellent exemple d'engagement simple et efficace. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent à suivre massivement le travail de SOS Calvaire, à suivre également le travail de monsieur l'abbé Mathieu Raffray, parce que c'est d'utilité publique. Autre question qui est revenue très fréquemment, qu'est-ce qui fait selon vous d'un homme un bon chrétien? À partir de quand on peut dire qu'on est un bon chrétien? Même si, bien sûr, là encore, c'est ouvert à débat. Quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce qui fait un bon chrétien? Eh ben c'est assez complexe comme question. Vous vous souvenez peut-être de ce passage du procès de Jeanne d'Arc où l'un de ses juges lui demande est-ce que vous êtes en état de grâce? Et elle répond si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Donc je pense que Sainte Jeanne d'Arc, c'est très impressionnant parce que c'est une jeune fille du Moyen Âge, mais qui est vraiment un modèle pour nous aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes aujourd'hui en plus. Comme quoi l'Église n'a jamais eu aucun problème avec les femmes et avec le fait que certaines femmes peuvent être tout à fait des modèles pour les hommes et pour la virilité des hommes chrétiens. Qu'est-ce qui fait un bon chrétien? Eh bien, c'est celui qui cherche à devenir meilleur. Vous voyez, le mauvais chrétien, c'est celui qui est satisfait de lui-même. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin de Jésus-Christ, qu'il n'a pas besoin d'être sauvé parce que, en fait, il a de l'argent ou il a du succès ou il a des amis ou des gens qu'il aime, etc. Et le bon chrétien, c'est celui qui sans cesse est capable de se dire, quelle que soit ma réussite extérieure, ce qui compte, c'est mon union avec Dieu. Et donc, pour atteindre une union plus profonde, plus intime, plus sincère avec Jésus-Christ, eh bien, j'ai besoin de me remettre en cause et d'être sauvé par Jésus-Christ. Le bon chrétien, je dirais, c'est celui qui est capable de se mettre à genoux pour prier, pour remercier Dieu, pour lui demander son aide, pour demander des grâces, pour demander pardon du mal qu'il a fait, et qui est capable de pratiquer la foi chrétienne, donc d'aller se confesser, d'aller chercher en Dieu la force et la puissance qui va lui permettre de se transformer intérieurement. J'ai une autre question pour vous et après on passera aux deux dernières qui clôturent systématiquement l'émission. Vous avez écrit deux préfaces ces derniers temps, enfin deux livres que j'ai lus récemment, un de Sylvain Durin qui est le propriétaire de la librairie des Deux Cités, qu'on salue ce soir, mais également la préface du dernier livre, et même du premier livre de Baptiste Marché, qu'on salue également. Est-ce que vous avez pour projet d'écrire un ouvrage? Parce que ce qui m'a marqué, c'est que ces deux préfaces
sont extrêmement bien écrites. C'était un plaisir de les lire. Donc, est-ce que vous avez comme projet, peut-être à terme, d'écrire un ouvrage accessible au grand public? Alors, c'est une révélation ce soir, mais non seulement j'ai comme cela comme projet, mais je suis en train de le faire depuis plusieurs semaines. J'ai passé toute l'après-midi devant mon ordinateur, mais depuis quelques jours, j'ai plus trop d'inspiration. Mais en tout cas, effectivement, je suis en train d'écrire un ouvrage, un livre pour mettre un peu par écrit, pour sceller dans le marbre les idées que je défends, enfin la vision du christianisme, du catholicisme que je défends sur les réseaux, dans les interviews, etc. Et voilà, effectivement, j'étais très heureux d'ailleurs de préfacer ces deux ouvrages qui sont pas du tout de même nature. L'ouvrage de Sylvain Durin est une réflexion anthropologique sur le sens du sacrifice, du sacré, etc., qui est très intéressante. L'ouvrage de Baptiste est quelque chose de beaucoup plus personnel. Oui, c'est vraiment lui-même. Ceux qui connaissent, ceux qui suivent Baptiste Marché, ils le retrouveront vraiment à 100% dans son ouvrage. Et voilà, effectivement, je suis en train donc parce que jusqu'ici j'ai écrit des livres, mais plutôt des livres de théologie, de métaphysique, voilà, des choses réservées à des spécialistes de certaines questions. Et donc là, je suis en train de travailler effectivement à un ouvrage grand public. Eh bien, écoutez, on le lira avec plaisir, bien entendu. L'occasion peut-être de vous réinviter. Monsieur l'abbé, on termine toujours le rendez-vous des barons par deux questions. C'est notre rituel à nous. Quels sont vos ouvrages de référence, vos livres de chevet, même si j'ai une petite idée sur la question. Et surtout, parce que c'est une question qui revient assez peu, parce que c'est un thème qui est pas assez présent, je trouve. Quels sont vos films préférés? Enfin, est-ce que vous avez des références cinématographiques qui vous sont propres? Voilà, on veut savoir vos livres de référence et vos films de référence pour terminer cette émission en beauté. Bah écoutez, des ouvrages de référence, je suis obligé d'être honnête avec vous. Je pense que l'évangile est l'objet de ma méditation quotidienne, enfin le plus possible. Donc, parce qu'on y voit la vie du Christ, et comme prêtre, c'est ce que je souhaite imiter, réaliser, mettre en œuvre dans le monde le plus possible. Ensuite, si on veut des ouvrages plutôt plus littéraires, évidemment, moi j'ai cité tout à l'heure Bernanos, par exemple, que j'ai beaucoup apprécié depuis mon adolescence. Il a été très, très important dans mon évolution intellectuelle quand j'avais 16-17 ans. Et puis surtout les fameux, les hussards, quoi. Antoine Blondin, Roger Nimier, tous ces auteurs français qui font preuve d'une espèce de liberté intellectuelle magnifique. Donc ça, donc voilà. J'aime beaucoup aussi les Russes. Dostoïevski m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup aimé. Et puis les tragédies grecques, etc. Voilà. Donc je suis assez éclectique au niveau littéraire. Au niveau cinématographique, figurez-vous que j'ai beaucoup étudié le cinéma quand j'étais plus jeune, et j'ai une affection particulière pour ce qu'on appelle le néo-réalisme italien. Alors, ça ne parlera peut-être pas à grand monde, mais les films de Vittorio De Sica, par exemple, magnifiques, moi, qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune et qui m'ont vraiment apporté énormément, du genre Chuchia ou Allemagne des Zéros, etc. Ce sont voilà, des films d'après-guerre en noir et blanc, mais qui étaient un espèce de retour au réalisme qui m'ont voilà, beaucoup, beaucoup marqué. Et que j'invite nos auditeurs à aller regarder. Ah, c'est vrai que Bernanos est très souvent cité par nos invités. Il revient assez fréquemment. Et oui, Roger Nimier, trop, trop, trop peu connu, je trouve, surtout à droite, c'est une vraie lacune. Le Hussard bleu est un livre qui est magnifique à lire, assez complexe car il y a plusieurs personnages, donc on a du mal à déterminer. C'est comme si c'était écrit à plusieurs mains, donc on a du mal parfois à déterminer qui est qui, mais c'est véritablement excellent. Eh bien écoutez, merci monsieur l'abbé d'être venu ce soir pour une longue émission qui aura duré 2 heures et quart. Véritablement, c'était un plaisir de vous recevoir. J'ai beaucoup apprécié
cette discussion qui s'est parfaitement déroulée. Dans le clavardage, c'était également le cas. Ceux qui nous ont écoutés ont été très calmes, très respectueux. Donc, ça fait plaisir à voir. On va terminer l'émission sur ça. Peut-être un mot de la fin, monsieur l'abbé, si vous voulez dire quelque chose pour terminer. Ben écoutez, non, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, pour votre invitation. C'était effectivement très intéressant. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Donc, merci à vous et merci à nos auditeurs. Ben écoutez, on va conclure sur ça. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour recevoir Alexandre Cormier-Denis. Vous le connaissez tous, c'est le Québécois qui aime parler viril. C'est un plaisir de le recevoir. Et ensuite, normalement, Cormier-Denis devrait être le dernier invité que l'on va recevoir en distanciel, puisque le rendez-vous des barons va passer en présentiel. Désolé pour ces mots qui sont hérités d'un temps qui est désormais révolu, celui de la pandémie. Mais voilà, c'est après le rendez-vous des barons sera en présentiel dans un cadre beaucoup plus agréable. Merci à tous, merci aux modérateurs et merci surtout à l'abbé Mathieu Raffray. Sa chaîne YouTube est disponible dans la description. Allez vous abonner. Il y a également ma chaîne YouTube qui est disponible. Abonnez-vous si vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était le doc et l'abbé Raffray. Ciao les barons. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.